Du coup, je voulais te demander, en gros, ton exposé, c'était sur, parce que je suis arrivé en cours, hein, désolé, c'était sur tout ce qui est sécurité des données et ce qu'on fait sur l'entreprise. C'est ça ou pas? Alors c'est principalement sur le logiciel libre, donc toute la partie, la première partie traitait du logiciel libre. Donc le concept, la philosophie, le fait de justement avoir un système de développement de logiciel ouvert, où on partage, où tout est open source, donc tout le monde peut vérifier ce qui est fait derrière, et le mettre en perspective par rapport à ce que font des logiciels propriétaires. C'est-à-dire des logiciels propriétaires qui vont nous espionner, qui vont récolter nos données personnelles pour des agences gouvernementales ou pour des agences publicitaires, par exemple. Ou tout simplement pour améliorer leur logiciel, mais sans demander le consentement à qui que ce soit. Ou par exemple, des logiciels qui vont juste pratiquer de la censure au sein de leur logiciel. Ça, j'ai plein d'exemples de censure, par exemple, pratiquée par Facebook ou autre. Bah, c'est de la censure demandée par par Non, spécialement. Alors, tu as de la censure qui est pratiquée, par exemple, par Facebook, par Amazon, par exemple, pour interdire l'installation de l'application de New York Times, je crois, en Chine, par exemple. Google qui censure ses propres logiciels pour la Chine. Mais derrière ça, tu auras des censures beaucoup plus sournoises. Tu auras par exemple Facebook qui va censurer des événements de rassemblement, de protestation pour les Black Lives Matter, par exemple. Tu auras de la censure, par exemple, d'œuvres de peinture que Facebook n'accepte pas. Par exemple, L'Origine du Monde, censurée sur Facebook, a été censurée pendant très longtemps, justement parce qu'il y a de la nudité. Donc, il y a de la censure politique. Il y a de la censure artistique, c'est assez, il y a un peu de tout en fait. Mais par rapport au logiciel propriétaire etc. Enfin, il y a juste un truc que je veux dire. Il y a pas que les entreprises qui font des logiciels propriétaires ou des sites comme Facebook, Twitter, etc. Parce que je me suis rendu compte récemment que par exemple quelqu'un dans ma famille avait fait une carte dans Avec une quoi? ouais. Question. J'ai pas entendu le mot. Il avait quoi la personne de ta famille? Avait fait une carte dans, tu sais, une espèce de carte de fidélité prise dans un gros groupe de boulangerie. Et j'ai lu du coup l'entièreté du truc et c'est exactement les mêmes droits à la confidentialité ou je sais pas quoi. C'est exactement la même chose que Facebook, etc. C'est la revente de données et donne un accès à leur site. C'est un site sur lequel ils référencent toutes les entreprises qui ont accès à ces données, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça rejoint à peu près ce que tu disais, mais sauf que là, c'est pas les logiciels propriétaires, c'est des entreprises lambda qu'on pourrait trouver à chaque coin de rue, en fait. Pour le coup, c'était une boulangerie. C'est pour ça que Richard Stallman, en fait, il voit le concept de logiciel libre. Pour lui, il ne doit pas être limité au logiciel. Ça doit s'appliquer en dehors de ça, en fait. Ça doit s'appliquer à beaucoup de choses, en fait. Pour répondre à Tanguy Raton, tu disais que en gros le code est ouvert mais écrit d'une façon très compliquée. Alors, t'as raison de le préciser. J'ai oublié, j'ai pas trop voulu rentrer dans les détails pour les néophytes. Mais Richard Stallman estime que si le logiciel il est rendu impossible à comprendre, à étudier, donc en anglais ils utilisent le mot obfuscated, en gros. Pour lui, ce n'est pas du logiciel libre. Tu empêches justement les personnes d'analyser, de le modifier librement. Tu empêches les gens de vérifier qu'il n'y a pas de fonctionnalité malveillante. Donc pour lui, ce n'est pas du vrai logiciel libre. Il n'accepte pas ça comme logiciel libre. Après, que des fonctionnalités un peu compliquées à mettre en place utilisent du code impossible à comprendre pour le commun des mortels, ça, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'ils estiment qu'il y a quoi qu'il arrive, une personne qui sera suffisamment qualifiée pour l'analyser et le vérifier. D'ailleurs, il y a eu ce cas-là avec Intel. Intel, à partir de 2018, a eu beaucoup de bugs, de failles de sécurité dans l'implémentation de leur processeur. Et c'était FreeBSD, qui est donc open source, et qui avait vu le truc arriver en fait à l'époque, en 2009. L'implémentation que Intel proposait, ils n'avaient pas du tout apprécié. Ils se sont dit que ça pouvait à long terme créer des problèmes, et ça a empêché justement que certains bugs de sécurité apparaissent. Donc voilà, pour répondre un peu à la question. Mais du coup,
selon la personne, enfin désolé, j'ai pas retenu le nom, mais selon la personne dont tu parlais, le code, par exemple, d'un logiciel libre, il devrait être commenté, etc., ou juste Oui, clairement. Il scientifique. devrait être explicite que n'importe qui puisse le comprendre. Avec des variables normales, enfin, que le développement soit fait normalement et pas exprès pour masquer un maximum les fonctionnalités. On entend des gens qui ont des compétences quand même, hein. C'est pas ma grand-mère qui va lire le code, mais quelqu'un qui connaît un minimum le domaine, etc. Et des usages. C'est ce que dit justement Richard Stallman, c'est ce que défend la Free Software Foundation, c'est que il y aura quoi qu'il arrive des personnes compétentes. On peut toujours demander à des personnes compétentes d'analyser, de modifier le logiciel pour soi si on n'en a pas les compétences. Et justement, c'est cet esprit communautaire de se reposer sur le fait que on a une communauté derrière pour que le logiciel libre fonctionne correctement. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt correctement. Quelqu'un peut écrire le nom de la personne dans le chat, s'il vous plaît? Monte un peu, il y a des photos de lui, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'infos. Xalares qui te demandait où peut-on trouver du matériel hardware open source? Alors ça, bon courage. Alors, au niveau du matériel, alors tu peux avoir du open source, du libre, dans la conception matérielle. Par exemple, avec des modèles de conception au comment ça s'appelle? Avec des standards en fait, avec des standards ouverts, les gens en ont discuté librement et tout le monde est libre de les mettre en place. Maintenant, en termes de logiciels libres, pour le matériel libre, quand tu utilises par exemple GNU Linux, tu as le choix entre utiliser des drivers open source libres ou des drivers propriétaires. Donc là, tu as le choix par exemple. Donc tu n'es pas contraint d'utiliser du logiciel propriétaire. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, pour un PC normal, c'est faisable. Maintenant, pour un smartphone, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau des smartphones, il n'y a que le PinePhone et le LibreM5 qui existent et qui ont une spécification justement ouverte, y compris au niveau du matériel, avec des drivers ouverts, des drivers libres. Mais le côté comment se procurer du matériel qui va être respectueux de notre vie privée, malheureusement, c'est très compliqué. C'est très complexe actuellement. C'est en tout cas plus facile côté matériel de bureau. Et oui, Discord n'est pas libre. Le meilleur OS Linux selon toi? Alors, techniquement, le système s'appelle GNU slash Linux. Par abus de langage, on appelle ça Linux. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, GNU Linux est distribué par des distributions en fait. Chacun peut faire sa propre version de GNU Linux et la distribuer. Donc vous avez par exemple Ubuntu, Debian, vous aurez Mint, vous aurez OpenSUSE, vous aurez Fedora, Red Hat Enterprise Linux qui est utilisé par la NASA par exemple. Vous aurez bien entendu Gentoo, vous aurez Arch Linux. Pour le meilleur, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur système Linux. Selon moi, ça dépend beaucoup de l'usage. Quelqu'un qui veut un bon serveur va probablement se baser sur Debian. Quelqu'un qui veut juste quelqu'un qui est débutant et qui veut démarrer avec Linux, moi je recommande beaucoup c'est Manjaro, qui est très simple d'utilisation, d'installation, plutôt rapide, qui vient avec une Logitech de logiciel qui est très bonne. Donc Manjaro c'est quelque chose à tester. Il y a des vidéos de présentation, je vais vous les poster. Pour ceux qui veulent voir à peu près à quoi ressemble GNU Linux actuellement. Mais la question de quelle est la meilleure distribution, c'est il n'y a pas de réponse, tout le monde a son propre avis. Mais bon, personnellement, moi j'utilise Arch Linux dans la vie de tous les jours. Linus Torvald est-il riche? Alors, Linus Torvald, le fait qu'il est... Mais c'est une bonne question parce que, justement, est-ce que le logiciel libre rapporte de l'argent? La question de financer le logiciel libre, je ne l'ai pas abordé parce que c'est pas très important dans le sujet dont on parle. Mais
Alors, lisez la cathédrale et le bazar pour avoir un petit point de vue si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes développeur. C'est très intéressant comme livre à lire. Et au niveau du financement, Richard Stallman propose sur le site de GNU comment justement gagner de l'argent avec du logiciel libre. En fait, on ne vend pas directement le logiciel, mais on vend du support pour du logiciel libre. Et en fait, quoi qu'il arrive, quand on fait du logiciel propriétaire, et moi ça a été mon cas, j'ai travaillé dans une entreprise où on faisait du coup du logiciel pour une autre entreprise. Le logiciel, concrètement parlant, les licences d'utilisation, on les vendait quasi rien. Ce qu'on vendait, c'était justement des développeurs pour développer des nouvelles fonctionnalités et maintenir l'application. Et c'est ça qui rapporte de l'argent en fait. Donc le modèle financier entre logiciel libre, logiciel propriétaire, si ce n'est pas directement à des particuliers, il n'est pas si différent de. Ils sont pas si différents en fait. Mais je suis d'accord que ça va être difficile de vendre à des utilisateurs lambda une distribution GNU Linux, par exemple. Parce qu'il y en a plein qui sont libres, gratuites et très bonnes d'ailleurs. Kali Linux, c'est surtout ouais, pour du pentest, pour tester la sécurité d'un système, mais bon, c'est rarement utilisé comme distribution lambda. Pour ceux qui s'intéressent, la distribution utilisée par Edward Snowden, c'était TailOS, pour échapper à la surveillance de masse. Pour TailOS, juste pour expliquer un peu c'est quoi, TailOS, en fait, c'est une distribution qui se met sur une clé USB. Vous la mettez sur votre PC, vous démarrez sur la clé USB, vous utilisez, vous retirez la clé USB et toutes les données s'effacent de la mémoire. Et c'est à utilisation unique, vous ne retenez pas les données d'une session à une autre. Ça utilise le protocole Tor. Et ça implémente énormément de choses pour justement protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Mais tu veux dire que c'est un OS live, du coup? Ouais, c'est un OS live uniquement. Coup, tu peux faire ça avec Linux, ça revient bien. Ouais, mais en fait, TailOS implémente beaucoup de choses par défaut. Par exemple, TailOS, par défaut, si tu enlèves la clé USB, il va considérer que c'est un cas d'urgence et il va lui-même effacer toute la mémoire. En fait, il va effacer toute la mémoire temporaire et même la RAM, il va la clean en fait pour éviter que quelqu'un puisse éventuellement essayer de récupérer des informations. TLOS, tu sais? Tu l'écris Ouais. Mais il y en a d'autres des distributions sur le même type. Il y a un site du gouvernement qui référence des logiciels source open source, j'imagine. Il n'y a pas un site du gouvernement qui référence les logiciels open source. Alors non, il n'y en a pas, je crois. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Maintenant, tu as la communauté justement du logiciel libre qui est très importante, qui est très développée. Donc du coup, il y a plein de projets qui existent. En France, tu as une association qui s'appelle Framasoft et qui propose des alternatives libres de services Internet de Google. Ils ont d'ailleurs une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet, qui est très sympathique. Donc je t'invite à aller voir ce qu'ils font. Tu as également des sites internet. Attends, je te mets le lien. Voilà. Tu as par exemple le site internet Prism Break qui en fait propose des alternatives à tous les logiciels propriétaires. Et d'ailleurs, quand tu vas sur la partie Windows, il te propose par défaut d'installer un système libre GNU Linux parce que Windows est propriétaire. Enfin bref, mais en tout cas, si tu veux continuer à utiliser Windows, il propose un certain nombre de logiciels libres à utiliser dans la vie de tous les jours. Après, pour ceux qui s'intéressent vraiment et qui sont sous GNU Linux et qui veulent une liste d'applications, alors il y a un site très sympathique qui s'appelle le wiki de Arch Linux. Pour ceux qui utilisent en fait Linux, en fait, vous avez ici en fait, mince, j'ai mis le mauvais lien, autant pour moi. Voilà. Donc en fait, c'est un wiki qui
propose tout un tas d'applications pour tous les usages sous Linux. Parfois, ils existent version Windows, mais c'est assez rare. Donc, ceux qui utilisent Linux, ils veulent un peu voir tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent installer et utiliser. C'est très intéressant. J'ai découvert pas mal d'applications sympas grâce à ça. Donc, voilà. Et merci pour les gens qui mettent les liens vers les choses dont je parle. C'est sympa. Alors, niveau imprimante 3D, je suis incompétent sur le domaine. Je ne suis pas du tout le truc sur les imprimantes 3D, donc je suis incapable de répondre malheureusement. Un site qui compare les drivers entre libre et propriétaire, qui explique la différence ajout-suppression. Alors, ça généralement, alors, sous Windows, t'as pas accès à ça de toute façon. T'as pas de question de driver libre ou propriétaire, puisque Windows est propriétaire, donc ne permet pas des logiciels, des drivers libres. Sous GNU Linux, tu as. Alors, généralement, sur les wikis, tu vas avoir des explications rapides de la différence entre les deux. Mais malheureusement, il n'y aura pas de site qui va comparer. Tu auras par contre des sites internet dédiés, par exemple. Alors, il y a Softpedia qui parle beaucoup de Linux. Et tu as un site internet qui fait beaucoup de comparaisons entre les drivers open source libres et les drivers propriétaires, dont je ne me souviens plus. Attends, je te retrouve ça et je te passe le lien. Voilà, foronix.com. Foronix.com, c'est un site internet qui est assez dédié justement au matériel, aux nouveaux processeurs, aux nouveaux matériels, aux nouvelles cartes graphiques, et fait beaucoup de tests, beaucoup de comparaisons entre Windows, Linux, entre les performances pour des serveurs, selon les distributions. C'est un site très complet, très intéressant. Donc, si tu veux avoir plus de détails entre les performances, en tout cas, tu pourras voir ce que tu veux là-dedans. Donc c'est un site très intéressant pour ceux qui utilisent Linux. Ouais, Urbanlich a raison. La base de données de Arch Linux, le wiki, est absolument énormissime. Pour ceux qui utilisent GNU Linux de façon générale, vous trouvez vraiment tout là-dedans. La communauté a fait un travail énormissime. Et ça, c'est entièrement la communauté. Donc, ça montre à quel point la communauté est importante sur le logiciel libre. À qui Thorvald vend-il son SAV? Alors, Thorvald, c'est vrai que j'ai pas répondu est-ce qu'il est riche. Thorvald, en fait, n'a pas gagné grand-chose avec Linux. À la base, il avait un deuxième emploi où il travaillait sur quelque chose de différent. Et il travaillait sur Linux un peu dans son temps libre. Et au final, il a réussi à trouver des gens qui le paient pour développer Linux. En fait, comme l'industrie de l'informatique utilise grandement son travail, on l'a remercié a posteriori. Il me semble qu'on lui avait offert une maison, une voiture, on l'a fait venir aux États-Unis. Enfin bref, il a pas trop de problèmes financiers vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, il développe beaucoup moins pour Linux. En fait, il est juste surtout le chef et vérifie que rien ne part en couille, pour faire simple. Donc, il vend pas de SAV, il travaille uniquement pour son kernel. À l'époque, Apple a essayé de le démarcher et pour qu'il travaille pour Apple. Et comme Apple voulait le faire travailler sur quelque chose de totalement différent, il avait refusé à l'époque. Par rapport au SAV pour les constructeurs, le kernel Linux, c'est un projet absolument énorme. C'est 15 000 contributeurs. Et Linux, aujourd'hui, c'est seulement 17% de mémoire de contributeurs lambda, en fait, des personnes comme vous et moi qui voulons contribuer pour le kernel. La majorité, 75%, c'est des personnes qui viennent d'une entreprise, qui sont payées par une entreprise pour développer pour le kernel. Par exemple, Nvidia, pour mettre en place des drivers, ils vont développer pour le kernel Linux afin d'améliorer la puissance de leur carte graphique. Ils le font notamment parce que Hollywood utilise des cartes graphiques, alors AMD ou Nvidia, dans des serveurs Linux. De la même façon, Intel, AMD vont développer pour
Linux et implémenter leur processeur, l'utilisation de leur processeur. De la même façon, Google, Amazon, même Microsoft développent activement pour Linux. Donc en fait, Linux est un système de développement assez particulier où plein d'entreprises qui ont des intérêts complètement divergents se réunissent pour développer sur le même programme parce que tout le monde l'utilise au final. Et bien entendu, il y a une communauté des gens indépendants qui veillent au grain. Même si il y a des critiques faites sur la Linux Foundation qui est gérée en partie par des personnes payées par des grosses entreprises. Ouais, Snowden a conseillé Cube parce qu'en fait, vu que Tails a été utilisé par Snowden, beaucoup de gens se sont dit que la NSA allait tout faire pour craquer Tails OS et pour justement y foutre des backdoors, ce genre de choses. Donc les gens commençaient à se dire peut-être qu'il faudrait peut-être s'en éloigner un peu. Les Linux User Group, c'est quelque chose de très sympathique. Pour ceux qui habitent à Paris, la communauté Ubuntu est assez présente. Et à l'époque, je ne sais pas s'ils ont continué, les premiers mercredis du mois, je crois, ils faisaient des install parties. Donc vous pouviez y aller et avec une machine et vous aider à installer Linux ou vous aider à régler des problèmes ou vous aider à faire des trucs, quoi. Enfin, c'est sympa. Je crois ils faisaient une grosse install party une fois par trimestre. Et une fois par mois, il y avait des personnes là-bas qui aidaient un peu tout le monde, ceux qui venaient. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ils font ça à Paris, j'imagine qu'ils font ça dans d'autres grandes villes. Donc je vous laisse vous renseigner sur... Allez peut-être sur les sites internet de Ubuntu France pour voir s'ils font des trucs comme ça. À Paris, ils étaient du côté de la Cité de la Science et de l'Industrie, à Pantin. DuckDuckGo. Alors, on va aborder un sujet qui est assez intéressant, c'est les services à distance. Quand vous utilisez un service à distance, par exemple Google Drive, derrière, il faut bien se rappeler qu'il y a une entreprise derrière qui doit payer des frais de fonctionnement, des serveurs, de la puissance de calcul, des ingénieurs qui vont développer des algorithmes. Donc, rien n'est jamais gratuit. DuckDuckGo, en théorie, se base uniquement sur les publicités qu'il diffuse. Malheureusement, quand vous utilisez un moteur de recherche, si l'interface peut être ouverte, libre, faut bien comprendre que les serveurs, eux, on n'y a pas accès. On ne sait pas quel logiciel tourne là-bas. On n'a pas de moyen d'auditer. La communauté ne peut pas auditer ça. Donc, il faut faire assez intéressant, il faut faire un peu attention à ce qu'on utilise. Et là, le seul critère, c'est quel est le modèle financier de l'entreprise, qui est la personne derrière. Si on se retrouve avec une entreprise qui, par le passé, s'est fait taper sur les doigts pour revendre de données personnelles, leur nouveau service, on peut peut-être faire attention et prendre des pincettes quand on l'utilise. Personnellement, j'utilise effectivement DuckDuckGo, donc j'ai pas trop de problèmes avec ça. Tu faisais référence à DuckDuckGo en parlant. Ouais, c'est ça. Alors, je faisais référence à DuckDuckGo, mais de façon assez générale, à un peu tous les logiciels qui tournent sur des serveurs éloignés, en fait. Quand on utilise Office 365, c'est des serveurs de Microsoft et derrière, vos documents, ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent en faire une copie, il n'y a aucun souci. Ah mais je parlais pas de ça en fait. Je parlais de ta référence à une entreprise qui par le passé avait fait quelque chose. DuckDuckGo. DuckDuckGo, je crois pas que par le passé, ils aient fait des bêtises, enfin, sauf si quelqu'un a des informations. Mais par exemple, il y a quelques entreprises comme ça qui avaient fait des trucs pas très corrects, on va dire. Par exemple, Ghostery, par exemple, le programme pour bloquer justement les trackers, par le passé, ils vendaient des données personnelles de leurs utilisateurs. Alors du coup, la nouvelle version qui est un peu plus ouverte et où il faut faire du on clique sur j'accepte de vendre mes données personnelles, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on veut supporter surtout ce genre d'entreprise-là? Personnellement, c'est plutôt un problème moral, éthique qu'autre chose en fait. Et derrière, on n'a pas la sécurité non plus de qu'est-ce qu'ils font avec nos données personnelles. Des entreprises qui derrière disaient, vous inquiétez pas, on chiffre nos données, et qui derrière, en fait, on voit que toutes les données étaient en clair sur du texte. Bon, bah, ça arrive souvent, malheureusement. Donc, on peut pas faire confiance à des entreprises. C'est triste à dire, mais bon. Pour le coup, vu que tu parles d'entreprise comme ça, s'il y a des personnes ici qui supportent Quant ou bien, parce que ça a été mon cas, vu que voilà, la French Tech, tout ça, j'étais vraiment en mode Quant, c'est super cool.
Ben, en fait, Quant, à une époque, c'était genre le moteur par défaut, je crois, de Firefox. Et ça a appris qu'il y avait des trucs louches, dont des backdoors, je crois, ou un truc dans le genre. En fait, plus que ça, c'est qu'ils sont pas très clairs là-dessus, ils le cachaient beaucoup, c'est qu'en fait, Quant utilisait directement le moteur de recherche Bing de Microsoft. Donc, c'est pas très éthique de leur part, tu vois. Ouais, bah, pour le coup, moi ce que j'ai entendu et lu, c'est que Quant, enfin leur application mobile était genre une backdoor pour les téléphones. Genre y avait plein de données qui fuitaient, etc., etc. Si t'as des choses, franchement, je prends parce que ça m'intéresse pour le coup. Je crois que j'avais lu ça sur Wikipédia. Hein. Tu tapes Quant et tu regardes. Je vais te mettre ça. Attends une seconde. Alors, Yandex est bien le moteur de recherche le plus anonyme du monde, non? Yandex est surtout un moteur de recherche russe. Alors, si tu utilises Google, tes données vont à l'NSA. Si tu utilises Yandex, j'imagine que t'as l'équivalent de la NSA en Russie. Non, mais Bon. Ouais, Baidu en Chine, sinon, ouais. Le loupé Quant, ouais, Quant. Mais je crois maintenant, en plus, ils ont viré l'ancien directeur, et ils ont mis genre un haut fonctionnaire français, bien de l'État, tu vois, à la direction de Quant. Enfin, c'est un peu particulier quand même. Mais en plus, après, Serenity. j'ai pas entendu les liens. Les liens. Oui. Ah, Agenda du Libre à Lille et tout ça. Je crois qu'il y a aussi l'association April qui milite beaucoup pour le logiciel libre. oui, mais ils sont plus à destination des autres assos, c'est pas fait pour que n'importe quel quidam Ouais. aille chez eux. Toujours dans cette continuité de logiciel libre, mais plus encore. Il y a la quadrature du net que vous connaissez peut-être avec l'interview de Jeremy Zimmerman sur Thinkerview. Donc eux, pareil, ils sont très ancrés sur la culture libre et défendent les droits des utilisateurs de façon générale sur Internet. Donc c'est toujours sympathique à supporter comme association. Voilà, je dis ça comme ça. Tu voulais dire quelque chose, Sirenity? Ouais, dans le lot, il y a aussi Wikipédia, par exemple, qui est pas connu, ou dans d'autres choses. Ouais, Wikipédia. Bah, Wikipédia, ouais. Wikipédia, c'est chacun voit ce qu'il a à voir, malheureusement. Pour le coup, juste pour en finir les comptes, juste que je me rappelle de ce que je voulais dire, du coup, parce que maintenant, je me suis perdu. Désolé. Ah oui, voilà. Quant a été financé par un groupe allemand, je crois. Franchement, c'était à moitié par la France et à moitié par l'Allemagne, je crois. Voilà, il me semble que, qu'en tout cas, au début, l'entièreté de l'entreprise avait été financée par un Allemand. Et une fois, et au bout d'un moment, a été racheté par la France, peut-être. Mais pour le coup, au début, je crois que c'était entièrement par un mec allemand qui se prenait pour le garant de la sécurité des données personnelles, quoi. Et puis, il faisait la promotion de ça, mais bon, voilà. Tanguera-t-on en alternatif, c'est-à-dire? Il y en a plein, Debian, en fait. Ça dépend beaucoup. Debian, c'est une très bonne distro. En trois syllabes. Manjaro. Si tu vas sur leur site, mais ça, c'est Manjaro, c'est du coup vraiment pour des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé vraiment Linux et qui veulent s'initier. Alors, pour les personnes qui sont là et qui veulent, par exemple, tester GNU Linux, ce que vous pouvez faire, vous allez, par exemple, sur le site de Manjaro, vous pouvez télécharger la distribution Manjaro, vous la mettez sur une clé USB, et en fait, vous pouvez redémarrer votre PC avec cette clé USB à l'intérieur, et ça va vous faire essayer Linux sans rien avoir à installer, sans rien avoir à modifier. Donc vous gardez toutes vos données personnelles, tout votre système Windows,
et vous pouvez le tester en fait et voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Je vous conseille grandement de faire ça. Je mettrai peut-être des, je rechercherai des trucs qui vous expliquent un peu tout ça, comment faire, pour ceux qui veulent, sauf si déjà des ressources de qualité. Petit tip, ça, au cas où, mais si vous faites ça, si vous faites le délire de QoS débootable, pensez à passer dans votre BIOS pour mettre le premier boot USB. Enfin, bref, genre, tapez ça sur Google. Ouais, bon, non, mais j'essaierai de trouver des vidéos qui expliquent un peu tout ça assez, assez bien. En français, d'ailleurs, de préférence. Et pour le coup, ce qui peut aussi dissuader tout le monde d'aller sur Linux, enfin, en tout cas c'est mon cas. Moi par exemple, je suis plutôt gamer et bien que j'ai plusieurs PC, je suis toujours sur Windows. Hein. En vrai, que ce soit gaming ou même utilisation de plein de logiciels, c'est vrai que c'est pas très intuitif Linux. Alors, par rapport à ça, Linux, c'est vrai que pendant un temps, c'était un peu le problème, mais aujourd'hui, en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, quand vous utilisez Linux, un truc qui est simple à faire, c'est quand vous installez, en fait, Steam, puisque Steam, en fait, il y a tous les jeux au monde, de toute façon, il y a une application qui s'appelle Proton, et ça permet d'exécuter n'importe quel jeu Windows sous Linux, quelle que soit la compatibilité. Du coup, moi, personnellement, ça fait 2 ans que j'utilise Linux exclusivement. Et dessus, je joue à GTA V, à Witcher 3, Bioshock. Enfin, je joue à n'importe quel jeu sans trop me préoccuper, en fait, de ça. Les jeux de Blizzard fonctionnent nickel. Donc, aujourd'hui, le problème du jeu vidéo sous Linux n'existe presque plus. Ouais. Excuse-moi. Non, vas-y. Ton logiciel, à moins que je me trompe, hein, parce qu'à l'époque j'utilisais aussi un logiciel qui faisait quasiment la même chose. Alors, à l'époque c'était Wine. Ouais, c'est ça. Wine, c'est une espèce de logo En fait, Wine à l'époque c'était en gros c'était pas d'émulation ou quoi. C'était vraiment il traduisait. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros ça permettait de lancer des applications Windows sous Linux. Sauf que ça marchait pas forcément extrêmement bien. Et en fait, Valve, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont commencé à payer des développeurs qui ont amélioré Wine. Ils ont commencé à faire une couche Vulkan, donc l'API Vulkan pour faire du graphisme 3D. Et en fait, ils ont fait un truc vraiment excellent qui fait tourner les jeux comme s'ils étaient natifs sous Linux, en fait. Donc, il y a quasiment aucune différence de performance entre Windows et Linux actuellement grâce à ce truc-là. Et ouais, Urban Leech a vraiment raison. Lutris.net, c'est une plateforme, en fait, vous l'installez, vous cherchez le jeu, vous l'installez, ça marche. Je sais pas comment ils font, mais ça marche. Et dessus, vous avez également beaucoup de jeux rétro. Donc, vous pouvez y aller tester, c'est super sympa. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, utilisent des Raspberry Pi, parce que ça coûte pas très cher, et en font, en fait, une plateforme de jeux arcade, si tu veux, avec des vieux jeux vidéo, avec des manettes de NES, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des trucs sympathiques à faire avec GNU Linux dans le côté gaming. Après il y a le souci du Game Pass quoi. Le Game Pass? Ouais. Le Game Pass, à mon avis, c'est pas accessible. C'est quoi le Game Pass? Le Game Pass, c'est une solution qui appartient à Microsoft. En gros, si t'as une Xbox ou que t'en aies pas une, en fait, je crois, ouais, ben tu peux payer un abonnement de 12 € par mois ou peut-être 8 €, je sais plus. Et en gros, ça te donne accès à une centaine, voire plus. Ouais, ça, éventuellement, ouais, ça risque de poser problème sur ce genre de fonctionnalité. Après, j'ai envie de dire. Mais quelle idée de donner son argent à Microsoft déjà, pour commencer. Il y a pas mal de jeux quand même, hein, pour juste 12 € par mois. Enfin, moi, personnellement, j'assume. j'ai payé un abonnement, mais en vrai, il y a pas mal de jeux auxquels je joue. Urban Leech, oui.
Ouais, je voulais préciser un truc parce que moi j'utilise que Linux en fait. Je l'ai fait presque moi-même en partant sur une base Arc. Et faut savoir maintenant avec le. Allez là, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent. Il y a beaucoup de joueurs qui utilisent un abonnement à Nvidia Shield qui te permet de sous-louer un serveur et donc tu peux accéder à tes jeux vidéo et jouer comme ça en streaming en fait. Mais pour ça nécessite une bonne connexion. Mais sinon, avec Lutris, comme j'ai mis le lien, l'installation, elle se fait automatiquement. Et de nouveau, la communauté enrichit Lutris en ajoutant des scripts qui permettent en fait de faire des installations automatiques de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, franchement, Linux, enfin déjà le jeu vidéo de manière globale, tout doucement, je pense que les disques durs et tout ça vont disparaître pour tout aller sur le cloud. Et donc plus besoin d'acheter de carte graphique quand t'as un Nvidia et tout ça, et tout est compatible sous Linux. Ce qui est encore quelques années, il y avait le cheat Easy Cheats par exemple pour le jeu League of Legends ou Modern Warfare qui fonctionnait pas. Mais maintenant, depuis que Chrome a sorti un petit add-on, tu peux simuler un Chromebook et jouer avec le Nvidia Shield gratuitement parce qu'ils ont un abonnement gratuit. Donc voilà, je voulais juste rebondir, préciser ça. Ouais, juste... ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On a eu une sacrée quoi. C'était Urbon qui parlait? Urbon? Yep. Ok, je peux juste te poser des questions par rapport à ça? Absolument. L'Utris, là, c'est quoi exactement? Parce que je vois pas exactement comment ça marche. Alors en fait, Lutris, c'est comme un launcher. Tu retrouves tous tes jeux vidéo là-dessus. Donc même tes jeux Steam et tout ça. Donc il te suffit de cliquer, lancer le play. En fait, tu cliques sur play et Steam s'allume tout seul et il lance son jeu tout seul. Ça peut utiliser GOG, ça peut utiliser Epic Games, ça peut utiliser Battle.net. Et en fait, si tu veux, il se couple avec Wine. D'ailleurs, pour rebondir par rapport à Wine, en fait, Wine, ça émule un mini Windows, c'est une VM, mais il va prendre vraiment la base, tout ce qui est suffisant et nécessaire que pour faire semblant que ce soit Windows qui lance le jeu, en fait. Le seul problème de Wine, bah, c'est quand tu as des nouveaux anti-cheats qui sortent, comme Easy Cheat. Et donc, comme c'est des programmes propriétaires, bah, les développeurs ont du mal à trouver les astuces pour pouvoir faire le détour et faire croire à la machine que c'est pas le cas. Mais du coup, enfin, ce logiciel-là, Lutris, enfin, tu te connectes en gros. Lutris, en fait, juste, ça t'aide à installer les jeux vidéo sur ta machine. Après, normalement, il faut que tu crées un compte, oui, pour le télécharger et l'utiliser. Et en fait, sur ton compte, tu auras ta liste de jeux que tu vas installer et que tu vas pouvoir lancer comme tu veux. Ne pas obligé d'avoir de. Tu vas bien rentrer dans le logiciel, enfin dans Lutris, ton compte Steam, ton compte GOG, etc., etc. C'est ça ou pas? Donc c'est pas sur Lutris que tu vas mettre tes comptes. Ah, ok. En fait, Lutris va t'installer les launchers et après les launchers tu les utilises comme sur Windows en fait. Bah c'est bon, t'as répondu à ma question. Et oui, Lutris, effectivement, je crois, il faut pas forcément créer un compte. Par contre, tu dois créer un compte si tu veux dire si le jeu fonctionnait bien ou pas sur ta machine. Enfin, ouais. Alors, voyons voir à quoi il joue. Ok, Bon. nickel. Let's go, je vais réinstaller Linux. Et en fait, il y a juste un truc à savoir, c'est que tu dois installer toutes les dépendances, quoi. Et donc, il s'agit d'installer Wine, des XVK, Vulkan, mais tu as tous les tutos qui sont faits sur GitHub, en fait. Généralement, de toute façon, quand tu installes Steam, ça t'installe tout ce qu'il faut pour Lutris. Pour la majeure partie, en tout cas. Mais de façon générale, la bonne initiative, c'est installer Steam, voir si le jeu est sur Steam, parce que Steam, par défaut, il te le lance en mode compatibilité, donc c'est la façon la plus facile, je trouve, pour l'instant. Yep, je confirme. Après, on s'est un peu éloigné du logiciel libre, mais bon, pas grave. Pour le coup, c'est un logiciel libre ou pas, Lucas?
Ouais, c'est open source en tout cas. Ben voilà. Ben en fait, moi c'est par rapport à ça, parce que je pensais que c'était un logiciel propriétaire et que, du coup, il y avait des chances qu'on soit coupé juste nos mots de passe et tout ça. En tant qu'utilisation bureautique normale, je parle. Tu dis, tu sais, c'était mots de passe et plein de choses. J'entends pas bien quand tu parles, c'est ici. Ah non, non, je disais que tu craignais pour la plateforme de lancement de jeu, mais le jeu lui-même, il est souvent propriétaire. Du coup, lui, il pourrait aussi pomper tes mots de passe ou je ne sais quoi. Et tu veux le savoir. Ça, c'est une problématique. Et alors, Richard Stallman a parlé des jeux vidéo. Parce qu'effectivement, il y a la problématique qu'un jeu vidéo doit se vendre. En fait, il y a deux écoles qui m'ont répondu à cette question. Il y en a une, c'était un mec qui vendait l'application sur Android, genre un jeu, je crois, sur Android, et qui était open source, donc c'était sur GitHub. Et pour lui, en fait, tout simplement, les gens, de façon générale, ne vont jamais perdre leur temps à aller sur GitHub, trouver le code source, le compiler et installer sur leur machine. Donc, en fait, son jeu, il se vendait quoi qu'il arrive, en fait. Après, Richard Stallman a parlé de ce sujet-là. Il a dit que on pouvait très bien faire un logiciel libre, au code source ouvert, mais avec des assets, tout ce qui est graphisme, protégé par le droit d'auteur, en fait. Et donc, du coup, le jeu serait protégé de copie et de revente illégale. Sachant, que quand même, faut bien s'en rappeler, hein, un jeu est relativement facile aujourd'hui à craquer, donc c'est pas le fait d'avoir le code source ouvert ou fermé qui va le protéger longtemps. Après, c'est un avis, mais bon. Non, mais pour les éditeurs de moteurs de jeu, par contre, je pense qu'ils ont pas, enfin, de moteurs de type Unreal ou autre, ils n'ont pas forcément envie de libérer leur code parce qu'ils ont de la concurrence. Ça. Pour ceux que ça intéresse, Richard Stallman, en fait, il a un site internet à lui. Alors, ce site internet, il est très brut, hein, vous allez voir, c'est très sommaire comme interface. Et en fait, tout en haut, vous avez un bandeau qui est assez sympathique. What's bad about? Qu'est-ce qui est mauvais à propos de? Et vous avez toute une liste, en fait, de programmes et d'entreprises. Airbnb, Amazon, Amtrak, Ancestry, Apple, Discord, Facebook, Evernote, Google, Intel, Microsoft, Netflix, etc. Donc, pour tous ces programmes ou ces entreprises, ils listent tout un tas de fonctionnalités malveillantes ou pratiques malveillantes que font ces entreprises. Du coup, pour ceux qui veulent un peu se renseigner sur pourquoi on a vraiment besoin du logiciel libre immédiatement, et pourquoi il ne faut pas utiliser des applications de ces entreprises-là, allez-y, c'est très intéressant. Ah mais le site, il est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, bien rangé, on ne s'y perd pas, c'est nickel, il charge rapidement. Oui, Sun Tzu? Tu peux nous donner, toi, selon toi, les choses les plus graves qui se font, parce que j'ai vu qu'il y avait une liste donc assez longue. Et selon toi, ce qui est les sujets les plus graves? Ah, bonne question, ça. Franchement, en fait, ça dépendra toujours du point de vue. Parce que, bon, techniquement, faire de la surveillance de masse, c'est grave, mais il faut bien se rendre compte que finalement, on n'est pas forcément visé par la NSA. La NSA, par exemple, quand elle fait de la surveillance de masse, c'est principalement pour des raisons diplomatiques et économiques. C'est pour favoriser les entreprises américaines contre les entreprises européennes ou chinoises. Et c'est pas non plus pour le terrorisme, faut oublier ça. Sécuritaire, c'est la NSA a admis qu'ils avaient attrapé personne avec leur programme, donc ça a jamais eu une vocation sécuritaire. Donc
À moins qu'on ait effectivement à cran sur ces questions de guerre économique et de souveraineté économique, etc. Effectivement, ça devient un enjeu assez majeur. Et du coup, on peut se poser des questions sur les gouvernements européens, notamment français, de ne pas utiliser de solutions libres, de logiciels libres, et d'utiliser des applications complètement désastreuses pour la vie privée. Et ayant connu des personnes qui étaient un peu, qui travaillaient dans des projets gouvernementaux en France, notamment au ministère de l'Agriculture, ce genre de choses, c'est une catastrophe en termes de vie privée, en termes d'utilisation de logiciels américains. Maintenant, là, tout de suite, pour les libertés individuelles, ce qui me semble le plus grave, c'est surtout la censure des individus. Censure notamment des manifestations, des protestations, des gens qui veulent se réunir. C'est un peu particulier. Et aujourd'hui, en fait, t'as une autre forme de censure qui commence à apparaître, c'est qui a la vérité? Qui a le droit de publier une information? Est-ce que l'information est véridique ou non? Ça, je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant, en fait. Le pouvoir qu'on accorde à des entités privées, qui ont des algorithmes d'ailleurs, qui proposent des choses. Alors il y a ça, et puis, ah oui, et du coup, forcément, c'est la façon dont les entreprises malmènent les utilisateurs dans le sens où ils te rendent accro, ils t'enferment dans ta propre bulle, ou alors ils essayent de t'influer d'une façon ou d'une autre. Genre, bon, bah, Cambridge Analytica était un très bon exemple de ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un fourre-tout un peu compliqué vis-à-vis de ce qui se passe là-dedans. Après, pour quelqu'un qui est anti-libéral, je pense que ce qui verra le plus grave, c'est le fait que nos données personnelles soient revendues à des publicitaires pour mieux nous cibler et mieux nous faire acheter. Donc, ça dépendra toujours du point de vue, mais je pense que tout vaut en fait de façon générale. Mais c'est pour ça, alors pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou ce genre de choses, il existe le Fediverse. C'est en gros un lieu d'internet un peu bizarre où il n'y a que des réseaux sociaux libres. C'est des réseaux sociaux décentralisés. Donc toutes les données n'appartiennent pas à une personne en particulier. Chacun peut avoir sa propre instance. Si vous avez une machine, un serveur, vous pouvez créer votre propre instance, par exemple, de Mastodon. La quadrature du net, par exemple, a un serveur Mastodon. Du coup, vous pouvez y aller, poster des trucs librement, partager. Il n'y a pas de censure qui s'opère. Il n'y a pas de problème avec tout ça. C'est un peu mieux que Facebook et tout ça. Après, il faut aimer les réseaux sociaux, bien entendu. Ouais, Diaspora fait partie du fait divers. Il y a Diaspora, Peertube. Peertube, c'est une alternative à YouTube qui se base sur du peer-to-peer. Donc chacun envoie des vidéos, la vidéo à d'autres. Vous avez Gnu Social, Upzilla, Pléroma, bref. D'où vient les cultes des éditeurs de texte, Emacs versus Vim par exemple. Je pense que ce culte-là vient de gens qui avaient beaucoup de temps à perdre. mais il y a toujours eu un peu En fait, on rationalise toujours. Alors, il y avait un très bon article là-dessus, je pourrais peut-être vous le retrouver si j'y pense. Là, à chercher, ça serait peut-être un peu long. Mais en fait, c'était une analyse sociologique où ils analysaient la réaction des personnes après avoir acheté un produit, où en fait ils essayent de rationaliser à tout prix leur choix pour se dire j'ai fait le meilleur choix possible, j'ai acheté le meilleur truc possible. Et je pense que dans l'utilisation de logiciels, t'as toujours ce choix qui vient aussi. Je vais rationaliser que Emacs est meilleur que Vim, par tous les moyens. Maintenant, personnellement j'utilise Vim, mais bon, voilà. Après, Emacs c'est sympa parce que
Le fait que ça soit open source, ça permet de choses vachement cool. Je vais vous envoyer une vidéo de ce que ça permet. Pardon, Emacs. Voilà, Emacs, c'est sympathique. Si vous voulez faire l'amour à votre PC, c'est la façon dont vous faut s'y prendre comme ça. Slitaz, c'est quoi Slitaz? Je connaissais pas du tout Slitaz. De ce que j'ai lu, du coup, c'est un OS Linux qui fait façon MO. Mais il y a plus petit encore aujourd'hui. Hein. Je crois il y a Puppy Linux, je sais qu'il faisait genre 20 MO, un truc dans le genre. Donc aujourd'hui, on est fait encore plus petit. Après, pour ceux qui veulent se lancer à l'aventure, il y a des distributions assez marrantes, genre SourceMage GNU Linux. Où en fait, le principe, c'est que on a un livre de sorts, comme si on était un magicien dans un donjon et dragon. Du coup, on doit recopier nos sorts, les lancer, etc. C'est assez sympathique comme distribution. Mais techniquement très intéressant pour les informaticiens qui veulent se renseigner. Leur gestionnaire de paquets est très 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 intéressant. Après, est-ce que d'autres gens ont des questions sur le logiciel libre, l'open source, GNU Linux, sur des logiciels, des alternatives à avoir, sur Internet, les vies privées, allez-y. Bah, je posais une question, c'est un peu con, et puis ça, c'est pas forcément l'une des questions que tu as proposées, mais tu penses que ça, genre que ça a un avenir dans notre société en soi? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une plus grosse communauté et genre que ça pourrait s'étendre à l'entièreté d'un pays? Alors ça, c'est la théorie de Eric Raymond. Eric Raymond, en fait, il a créé la définition d'open source. Et en fait, pour lui, on n'avait pas à comp en fait une chose dont il n'est pas d'accord avec le logiciel libre, c'est qu'il n'est pas d'accord avec la nécessité de faire du logiciel libre derrière. Linux, enfin le Stallman, pour lui, avec la GNU GPL, ça force la personne à utiliser toujours la même licence libre quand tu le partages. L'open source, certaines distributions, certaines licences open source, il me semble la licence MIT est comme ça. C'est open source, tu as accès, tu peux le regarder, tu peux le modifier, mais derrière, t'es pas obligé de faire de l'open source. Tu peux faire un logiciel propriétaire à partir de ce truc-là. Notamment parce que la licence MIT était faite pour faire des logiciels pour le gouvernement. Et donc du coup, sa théorie à Eric Raymond, c'est de dire que une personne qui fait du logiciel propriétaire, par défaut, elle se punit elle-même. Elle a aucun avenir. Elle va forcément échouer au bout d'un moment. Donc pour lui, au bout d'un moment, en fait, les logiciels libres vont forcément prendre le pas. En fait, les logiciels open source vont toujours prendre le pas. Mais réalistiquement, personnellement, ce que je pense, c'est que Linux, de façon générale, a eu un succès énormissime. C'est utilisé dans les superordinateurs, c'est utilisé dans l'industrie automobile, c'est utilisé par exemple sur les Tesla, c'est utilisé dans ta télévision, c'est utilisé dans ton téléphone portable, c'est utilisé sur les superordinateurs, par la NASA, c'est utilisé sur les serveurs, c'est utilisé partout, sauf sur les bureaux en fait. Faut bien se rendre compte de ça, il n'y a que nous en tant qu'utilisateurs de bureautique qui n'utilisons pas Linux. Parce que Microsoft a réussi à mettre en place un monopole. Moi, je pense personnellement que Microsoft, un jour ou l'autre, va devoir faire sa propre distribution GNU Linux. Je pense qu'un jour, ils vont être amenés à faire ça. Ça sera pas forcément libre. La base sera libre. Après, ils vont mettre une super grosse couche propriétaire. L'environnement de bureau sera propriétaire et tout ça. Mais à mon avis, on tend vers du logiciel libre partout. Alors, et pour compléter aussi, il y a un enjeu quand même
politique, économique, de la part de pays comme la France, en Europe. À mon avis, on a largement besoin dans nos institutions, dans nos gouvernements, à l'éducation nationale. Et je pense que cela, il est en train de se faire. Par exemple, la ville de Nantes utilise exclusivement du logiciel libre, NuLinux. T'avais à une époque Munich en Allemagne qui était très connue pour ça. La police nationale en France utilise Linux. Donc en fait, on va vers ça. Et je pense que le gouvernement qui force le logiciel libre auprès des fonctionnaires va forcément rendre le logiciel libre beaucoup plus populaire auprès de la population générale. Mais moi, ma question, elle portait sur les logiciels libres, mais toi, tu as parlé directement de l'OS. Bah, en fait, c'est pour moi, c'est intimement lié, en fait. C'est-à-dire que quand tu utilises Windows, tu utilises des logiciels qui sont fournis par Windows. Après, tu vas utiliser les logiciels qui sont, si tu veux, tendance. Mais quand tu utilises GNU Linux, quand tu installes une distribution, par exemple Manjaro, tu te retrouves par défaut avec tous les logiciels dont tu as besoin et qui sont libres. T'as pas besoin d'installer autre chose. Actuellement, t'as pas la suite Office de Microsoft sous Windows. Donc par défaut, tu utilises LibreOffice. Et je pense que à terme, t'as une utilisation grandissante qui va se faire de GNU Linux et par la même occasion, en fait, de logiciels libres annexes, en fait. Et à terme, on sera forcé. Je pense sincèrement que on sera forcé de participer activement. En tout cas, le gouvernement devra participer activement à la création, à l'amélioration de logiciels libres que eux-mêmes vont avoir besoin dans leurs instances. Donc, je pense que c'est très lié au final. Mais le problème du logiciel libre, c'est que les gens ne sont pas au courant et ne sont pas n'ont pas d'éducation là-dessus, en fait. Les gens veulent juste un logiciel qui fonctionne. Faut se rendre compte de ça, je pense. Et c'est pour ça que je parle de GNU Linux, parce que les gens utilisent ce qui est installé par défaut. À la rigueur, des gens vont installer Chromium, enfin vont installer Chrome sur Windows, mais ou Discord, mais sans plus, quoi. Ils vont pas se poser de questions plus que ça. Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu dis. En même temps, quand on regarde dans les écoles, ils reçoivent des PC Windows ou Mac dépendant de la branche, quoi. Donc quelque part, ils sont les lobbyistes Microsoft et tout sont vachement impliqués dans les écoles et font de l'éducation. Et donc ça crée, on fait des gens dépendants d'un truc auquel on voit pas les erreurs et où il faut pas réfléchir. Et quand ça fonctionne pas, on claque le truc ou on achète un nouveau truc, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale là qui a été levé parce que l'éducation nationale a renouvelé les licences Windows pour toutes les machines de l'éducation nationale de toutes les écoles sans passer par un appel d'offres adéquat, en ne respectant pas leurs propres critères d'appel d'offres. Donc bon, forcément. Mais et ça c'est pareil, c'est le jour où en fait on va forcer l'utilisation de logiciels libres à l'école, les gens auront l'habitude de les utiliser et les utiliseront chez eux en fait. Donc bon. Moi j'ai une question. Comment un logiciel libre devient connu? Parce que tu as soulevé la problématique du fait de la problématique qui consiste à dire que les gens ne connaissent pas les logiciels libres. Par défaut, ça brasse pas beaucoup d'oseille. Et la pub, c'est de l'oseille. En fait, justement, les logiciels libres qui sont devenus connus, en fait, par exemple, à l'époque, c'était GCC, GDB, Emacs, même GNU Linux, mais en fait, ils sont devenus connus uniquement auprès des professionnels, des autres informaticiens. GNU Linux a eu du succès parce que c'était bien pour les web serveurs. GCC est devenu super connu parce que c'était pratique, tu pouvais le modifier, faire un compilateur pour le C++, Bison pareil, Emacs c'était génial parce que t'avais pas un meilleur éditeur de texte à l'époque. Donc je pense que d'un point de vue professionnel, les logiciels libres vont forcément être connus parce que ils sont juste meilleurs. Maintenant pour le commun des mortels, je dois t'avouer que en fait c'est juste du hasard, je pense.
Je pense que ça sera toujours du hasard qu'une application open source devienne connue. Mumble, à une époque, était très connu, était aussi connu que TeamSpeak, et c'était du logiciel libre. Bon. Mais bon. Mais je pense que c'est toujours dû au hasard. Effectivement, pour moi, la grande problématique, c'est également que tu n'as pas de machine qui vient préinstallée avec du Linux. Ou tu en as très peu, ou parfois c'est souvent que pour des entreprises. Donc le public, de façon générale, n'aura pas accès à ces logiciels-là. Mais après, comment faire de la pub pour le logiciel libre, ça, bonne question. Ça, franchement, il n'y a pas de réponse. Je suis désolé. Extrême qui va intervenir. Comment les personnes qui travaillent sur les logiciels libres sont rémunérées? Alors, c'est une bonne question. Soit elles sont rémunérées par des entreprises qui les payent pour développer du logiciel libre. Donc, pour toujours rester sur le cas Linux, 75% des développeurs, c'est issu d'une entreprise qui les paye pour ça. Tu auras également des entreprises qui vont payer des développeurs. Par exemple, Valve va payer des développeurs pour développer des meilleurs drivers open source libres. Également pour améliorer des programmes de compatibilité comme Wine ou comme Vulkan. AMD faisait du logiciel libre avec les implémentations libres de Vulkan pour faire de la 3D, pour ceux que ça parle. Donc en fait, tu as déjà des entreprises qui payent pour ça, parce qu'ils ont un intérêt clairement financier à long terme là-dessus. Ensuite, tu as les donations. T'as des personnes qui vivent grâce à des donations. Donc, t'as la Free Software Foundation qui va financer des projets. T'as des personnes qui vont juste réussir à obtenir des dons à gauche, à droite, parce qu'ils font un travail qui est super bien. Après, t'as malheureusement d'autres projets, enfin, malheureusement ou heureusement, d'autres projets. Par exemple, XFCE, c'est une interface graphique sous Linux. Et les développeurs sont juste bénévoles. Ils font ça bénévolement sur leur temps libre. Donc, le développement est très long, très lent. Et ils font ça quasi gratuitement. Donc la rémunération, c'est toujours un sujet un peu touchy sur les logiciels libres. Après la question, c'est est-ce qu'on a besoin, enfin, on a des logiciels libres qui quand même ont un succès énorme. Il y a des distributions comme Debian, Ubuntu, il y a des distributions comme Fedora qui sont libres et qui en fait vendent du support pour d'autres entreprises. T'as un problème avec Fedora, avec par exemple, Fedora, parce que tu l'utilises sur un serveur, tu vas voir l'entreprise derrière et tu vas les payer pour qu'ils te font le, pour qu'ils te règlent le problème. Après, en tant que développeur indépendant, tu peux te faire embaucher par une entreprise pour développer du logiciel libre, pour réparer des problèmes, pour faire du support sur ces logiciels libres que eux utilisent. Donc, c'est pas du tout le même modèle d'une entreprise propriétaire. Faut pas s'imaginer que c'est une entreprise qui va embaucher des gens et qui va ensuite vendre le logiciel à d'autres entreprises. Il y en a très peu qui vont faire ça. L'exemple le plus connu, c'est Red Hat Enterprise Linux. Donc, renseignez-vous là-dessus si vous voulez. Elle est cotée en bourse. Donc, ça a plutôt du succès. Et ils vendent, je crois, 4 000 euros la licence de Red Hat Enterprise Linux, de leur distribution. Plus derrière le support. Donc, il y a moyen. Une distribution Linux qui est payante. Red Hat Enterprise Linux, oui. C'est-à-dire que pour installer l'OS, tu payes, c'est pas normalement. Bah, en fait, tu payes pour ça et pour le support. Et du coup, tu as une version du coup non payante qui s'appelle CentOS. Et du coup, tu as même la version du coup t'as Fedora qui vient elle-même de Red Hat Enterprise Linux en fait. Donc, les développements sont assez similaires entre les trois distributions. Et du coup, beaucoup d'entreprises utilisent CentOS parce que derrière, c'est du Red Hat. Normalement, on n'a pas le droit de faire payer des OS Ah, Linux. t'as le droit. Tu peux. Alors, t'es libre de faire ce que tu veux, de distribuer ce comme tu veux. Mais oui, tu peux vendre du logiciel libre, justement. Tu peux, par exemple, tu pourrais même faire un truc de bâtard. Tu prends un logiciel libre, tu changes le nom et tu le revends, tout simplement. En gros, tu fais du web scraping, quoi. Par contre, tu es obligé de donner le code source avec le logiciel. Xtreme avait une question. Oui, bonjour. Bah, Ma question,
La question, c'était plutôt pour répondre à la personne qui demandait comment ça se passe pour faire connaître les produits libres. Et j'avais justement cette petite remarque, c'était un exemple par rapport aux universités et la gendarmerie, qui eux, en réalité, n'étaient pas censés passer sous ces licences gratuites, parce qu'ils utilisaient du Windows à tort et à travers. Et en fait, il dupliquait la licence ou il craquait, enfin, il faisait ça n'importe comment. Et un jour, Microsoft, plutôt que d'être intelligent, est passé et a dit, oh là là, vous nous devez tellement d'argent. Et ils ont essayé de les contraindre. En réalité, ils ont dit, bah, si on vous doit tant d'argent, il vaut mieux qu'on passe dans du libre. En fait, ils sont passés dans le libre. Et Microsoft a mis du temps à réagir à ça, parce qu'ils ont du temps à comprendre que si des gens développent sous Linux, travaillent sous Linux, à l'école, ils deviendront forcément des ingénieurs dans des entreprises qui utiliseront ces produits-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à créer les licences éducation et autres pour réduire les coûts et racheter en fait ce qu'ils avaient perdu. Mais ça a été un long processus et du coup il y a énormément de générations de personnes qui sont passées par les universités, qui ont travaillé sur du gratuit, du free, du open, etc. Compléter Merci pour la ça, précision. pour compléter ça, il y a eu une affaire comme ça avec Windows Vista à l'époque, où en fait, tu avais un certain nombre de fabricants de matériel. Alors, je me rappelle plus la marque, si c'était Acer ou un truc dans le genre, où en fait, je crois que ils trouvaient les licences d'utilisation de Windows trop élevées, ou alors Windows Vista était trop lourd pour les notebooks. Et du coup, ils se sont mis à utiliser Linux et à faire leur propre truc de Linux. Et le problème, c'est que Windows a compris qu'ils allaient perdre beaucoup si ça se développait, et ils ont un peu baissé le prix de leur licence auprès des fabricants pour justement empêcher Linux de grandir. Faut savoir que Windows, pendant des années, des années et des années, a considéré Linux, la licence libre, comme un cancer, et Linux comme une monstruosité qui ne devait jamais apparaître, quoi. Ils ont dépensé des millions d'euros à les combattre. Il y a notamment les documents de Halloween qui ont été leakés par Eric Raymond, qui expliquent comment Windows a fait pour empêcher GNU Linux de se développer. Je vous retrouverai l'article Wikipédia qui parlait de ça. Et Sérénité, tu avais une question? C'est pas une question en fait, c'était plus pour rebondir sur la partie Red Hat que je connais plus ou moins bien, avec les petites histoires sur CentOS qui s'est passé, puisque à l'origine c'est Red Hat était gratuit en fait à la base, la première distribution, celle qui s'appelle réellement Red Hat, et ensuite ils se sont mis à faire des RHEL et à ce moment-là ils sont venus sur un modèle payant. Donc en gros c'est pas le logiciel qu'ils vendent, mais c'est le service de support qu'il y a derrière, sachant qu'ils te fournissent les médias d'installation qu'à partir du moment où tu payes le support. Mais toutes les sources étaient disponibles. Et du coup, à partir de ces sources-là, bah, un groupe de gens s'est dit, bon, bah, on va prendre les sources, vu qu'elles sont accessibles, et on va faire une CentOS. Mais CentOS n'était pas géré par Red Hat à la base. C'est bien, bien des années plus tard que Red Hat a embauché l'intégralité du board de CentOS, et c'est comme ça que CentOS est redevenu dans leur giron. Et Fedora, pour eux, c'est donc quand ils ont fait RHEL, ils ont fait aussi la distribution Fedora au même moment, qui leur sert plus d'incubateur à technologie. Donc ils font pas de support dessus ou autre, mais par contre là-dedans on va trouver bah, plein de software libre en version très à jour et maintenu très activement. Voilà pour la petite histoire. Merci pour la clarification. Je vous ai mis dans le chat un lien vers le site justement de Eric Raymond où il a publié les Halloween Documents. Donc vous avez tout un tas de documents ici de Microsoft où en fait ils expliquent comment ils combattent Linux et le logiciel libre de façon générale. Alors, faut vraiment se mettre en tête un truc, hein. Les designs des sites de ces gens-là sont parfaits. Ils sont adaptés à
à tous les styles d'écran, petits, grands, moyens. Ils sont rapides à charger, ils n'utilisent pas de plugin tiers, ils sont respectueux de l'utilisateur. Il y a directement toutes les données qu'on veut, bien triées comme il faut. L'interface est parfaite, les gars. Mais les années, on s'en fiche. On veut un site fonctionnel. Mel, t'avais une question? Oui, que vaut l'argument avec Linux, il n'y a pas de problème de virus? Bah, en fait, c'est plutôt vrai, plutôt faux. Ça dépend de comment on se positionne. De façon générale, c'est assez vrai parce que ça, c'était une théorie de Eric Raymond, c'est que s'il y a assez de perdus, en fait, s'il y a assez de monde qui va regarder le logiciel, qui va l'analyser, etc., tous les bugs vont être corrigés. Donc, bugs de stabilité ou quoi que ce soit, et aussi les bugs de sécurité. Donc, déjà, au niveau des failles de sécurité, c'est un peu mieux que Windows, par exemple. De la même façon, quand un bug de sécurité est découvert, et ça, c'est un truc qui est assez impressionnant, il est corrigé la journée même. Le lendemain, tu as un patch, tu peux mettre ton à jour de tes logiciels et il sera corrigé. Donc, ça restera jamais très longtemps. De la même façon, d'un point de vue de la façon dont Linux a été structuré, développé, de façon générale, même les autres logiciels libres, hein, autres que Linux, hein, pour le système entier, ça réduit les chances d'avoir des bugs de sécurité trop graves qui permettent un accès. Comment on appelle ça déjà, mince. Mince. Les zero day, les failles zero day. Et du coup, il y a plein d'autres choses en fait qui font que c'est plus sécurisé. Par exemple, quand tu utilises un logiciel sous Windows, en général, ça va être fourni avec ses propres bibliothèques, les points .dll. Et donc, par exemple, s'il y a une faille de sécurité dans une de ces librairies, il faut que tous tes logiciels sous Windows qui utilisent cette librairie te mettre à jour cette librairie quand il te la distribue. Donc en fait, il faut que tu mettes à jour tous tes logiciels. Sous Linux, quand tu as par exemple une faille de sécurité avec OpenSSL, la faille Earthblade, tous les logiciels qui utilisaient OpenSSL, en fait, n'ont pas à mettre à jour la librairie. C'est toi qui vas mettre à jour le paquet, la librairie OpenSSL que tous les logiciels utilisent. Enfin, c'est un système en fait plus décentralisé. Et du coup, qui permet que les logiciels, les failles de sécurité soient corrigées beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un problème de librairie dynamique et statique. C'est un peu technique, mais il y a plein d'aspects techniques qui font que la sécurité est plus importante sous Linux. Après, au niveau de bug sécurité, les rares bugs de sécurité qu'on a vus passer ces derniers temps, c'est souvent dû si la personne a accès physiquement à la machine, alors elle peut avoir des droits de route. C'est ouais d'accord, mais faut qu'il ait physiquement accès à la machine. Donc finalement le bug pour la majorité des gens n'a que très peu d'impact. Donc voilà. Mais la réalité Linux plus sécurisé, c'est vrai. Après, Linux par défaut sécurisé, c'est plus ou moins vrai. Il y a des distributions qui permettent une meilleure sécurité avec des logiciels, par exemple. Secure Endnance Linux qui a été développé d'ailleurs par la NSA et qui permet des meilleures règles de sécurité pour le système. Mais en général, c'est quand tu as plusieurs utilisateurs sur une machine, enfin bref, c'est assez axé entreprise. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Il y a l'ours qui a une question. Comment se fait-il que le logiciel libre soit concurrentiel face au pouvoir économique du logiciel propriétaire? Comment expliquer que le nombre de ressources humaines puisse être équivalente? Bonne question. Ça, franchement, c'est une bonne question. C'est à débat. Ça, franchement, c'est. Je laisse le débat ouvert, mais déjà, faut se rendre compte d'une chose, c'est que les distributions du Linux sont déjà gratuites. Derrière, il y a une garantie de tu ne vas pas avoir tes données pompées et récoltées pour les revendre à un tiers.
Et forcément, avoir un système ouvert, gratuit, c'est forcément un très grand avantage quand tu as un système fermé, propriétaire, Microsoft, qui t'espionne derrière. Donc rien que ça, c'est un argument absolument énorme. En plus, techniquement, le logiciel libre est forcément concurrentiel au logiciel propriétaire, puisque c'est la façon même de développement, le fait même que ça soit de l'open source, que n'importe qui puisse y accéder, puisse vérifier que le code soit correct, qu'il n'y ait pas de bug, puisse corriger, puisse participer, contribuer, même pas forcément sur un aspect technique, hein. Par exemple, toi, en tant qu'utilisateur, si tu as envie de participer au développement d'un logiciel, tu peux y aller et juste proposer, par exemple, de traduire le logiciel dans des langues que tu connais. De la même façon, tu peux participer en reportant des bugs, en disant, voilà, j'ai eu ce problème-là, etc. Et tu as vraiment une grosse communauté qui s'est développée autour du logiciel libre, qui permet d'améliorer les logiciels d'une façon assez incroyable et de plein de manières différentes. C'est surtout ça qu'il faut voir ça. Alors que Microsoft, pour contribuer à aider le logiciel Microsoft, tu ne peux pas. Enfin, c'est l'entreprise qui doit payer ses propres personnes, qui doit payer ses bêta-testeurs, qui doit payer ses programmeurs, etc. Donc là-dessus, c'est un grand avantage pour le logiciel open source, justement. Et c'est ce que Eric Raymond disait, c'est que un logiciel propriétaire doit se faire de façon très verticale, avec des chefs, des sous-chefs, avec des équipes de développement, des mecs que tu vas attribuer à gauche, à droite, alors que dans un monde de logiciels libres, les gens font ce qu'ils veulent. Les gens vont faire ce qui est adapté à leurs propres compétences et vont contribuer à leur juste valeur. Enfin, ils vont contribuer par rapport à la valeur qu'ils peuvent apporter au programme, en fait. Et quand le logiciel est intéressant, il y aura forcément des personnes qui vont y contribuer d'une façon ou d'une autre. Après, comment expliquer que le nombre de ressources humaines puisse être équivalente? Bah, ça, je pense que c'est de façon générale et pas que au logiciel libre, je pense qu'on sous-estime la puissance du communautaire, de notre aspect social en tant qu'humain. Et les gens ont vraiment cette volonté de participer ensemble à un vrai projet ensemble, avec un idéal commun en fait. On t'entend moins, Zilot. Rapproche-toi. Quand tu vois par exemple les distributions Linux, par exemple Arch Linux, la documentation de Arch Linux est un truc absolument, mais genre, c'est inimaginable de voir un truc pareil apparaître. Et pourtant, les gars se sont juste mis ensemble, ont contribué à ce truc-là et ont fait la meilleure documentation qui existe pour les logiciels libres. Donc, c'est assez bizarre, mais les gens ont juste du temps libre en fait. Les gens ont vraiment cette passion pour le monde du libre, le logiciel en fait. Donc, ouais. Je pense on peut pas expliquer autrement que les gens ont envie de travailler ensemble sur un projet commun. Pour une utilisation sur poste personnel, quel OS distribution Linux à conseiller? Alors moi, j'ai arrêté de proposer Ubuntu parce que Ubuntu, malheureusement, avec, comme disait Serenity, les Flatpak, les Snap, etc. Enfin, ils ont beaucoup poussé cette idée-là. De la même façon, je trouve que c'est un système qui n'est pas très stable, Ubuntu. J'en ai fait l'expérience récemment. Du coup, maintenant, je propose plutôt Manjaro, qui est très 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 facile à utiliser, à installer, qui vient avec un logiciel pour installer graphiquement les programmes, qui est très bien foutu d'ailleurs. C'est vraiment ça. Alors, je vais booster un peu mon micro. Changer un moment, ça allait très bien et d'un coup, c'est devenu Ouais, plus. ça, ouais. Vous m'entendez mieux là ou pas? C'est un flag, mais au pire, on clique droit sur toi, c'est le niveau. Donc, ouais, Manjaro, c'est beaucoup plus facile d'installer. Il y a également une interface graphique pour installer le logiciel. Donc, pour les nouveaux utilisateurs, c'est sympathique. Et ouais, il y a tous les programmes qui sont de base installés pour l'utilisation. Après, il y a d'autres distributions. Par exemple, Fedora est très sympathique aussi. Vous aurez par exemple Mate. Bon, après, c'est vraiment au choix, hein. Android est à la base un Linux et pourtant la sécu y est. Alors, Android, malheureusement, j'ai un petit problème avec ça.
C'est que Android, effectivement, c'est la base Linux. Derrière, il y a une couche qui a été développée par l'NSA, il ne faut pas oublier ça. La sécurité y est, mais malheureusement, la sécurité n'est pas suivie. C'est-à-dire que quand vous achetez un appareil, au bout de 2 ans, en général, il n'y a plus les mises à jour, du système. C'est un vrai problème. Et c'est pour ça que avoir du logiciel libre serait une très bonne chose, que ça permettrait, du coup, que la communauté fournisse des mises à jour de sécurité librement. Ouais, en fait, j'avais mis ça, c'était en réponse à un autre sujet au-dessus, où on parlait de la sécurité sous Linux. Et du coup, je dis juste, ça dépendait aussi de l'usage, enfin des usagers, qui n'installent pas n'importe quoi en venant de n'importe où, en suivant des indications de quelqu'un qui dit, bah tiens, tu tapes ta ligne de code ou je sais pas quoi, et ça va marcher comme par magie. Les gens sous Linux ont une tendance à ne pas le faire. Et du coup, sous Android, on voit par contre que tu installes une lampe de poche qui va écouter le micro, tu vois. Bref. Toujours comme on parle de Android vite fait, je vous partage un lien. C'est un truc qui s'appelle F-Droid. En fait, c'est comment dire, un dépôt d'application open source sur Android. Vous pouvez l'installer en fait. Donc, faut l'installer manuellement. Et dessus, vous aurez tout un tas d'applications open source ou libres à utiliser sous Android. Donc, vous avez par exemple un clavier open source. Donc pas un clavier qui va envoyer vos tables de touches à quelqu'un. De la même façon, vous aurez par exemple une application qui est très sympathique qui s'appelle NewPipe, qui permet d'utiliser YouTube sans utiliser toute la couche Google derrière. C'est un moindre mal. Après, vous avez plein d'autres applications, je vous laisse regarder ce qu'ils ont dans leur dépôt, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je pense de Parrot et Kali? Parrot, je ne connais pas vraiment. Kali, c'est pour du pentest, donc j'ai rien à dire là-dessus. Ce n'est pas une distribution à utiliser dans la vie de tous les jours pour moi. Donc voilà. Après, si tu veux l'utiliser pour faire du pentest, vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. Juste vite fait, parce que j'avais une question en rapport à ça, et puis il y a personne qui m'a répondu. Est-ce que, enfin, moi personnellement, j'aimerais bien utiliser Kali dans les jeux, justement, parce que, enfin, je la trouve cool, l'interface, tout ça. Le logiciel dont vous parliez tout à l'heure pour le jeu vidéo, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, tu disais? Allô? Allô, allô? Oui, tu disais quoi? Lutrice, peut-être. Lutris, voilà. Il est utilisable sur Kali ou pas? Alors, de façon générale, ce qui est utilisable sur une distribution est utilisable sur une autre distribution. À de très rares exceptions près, il faut juste que quelqu'un le fournisse. Normalement, Lutris, tu peux le télécharger directement sur leur site et l'installer et ça marche. Maintenant, enfin, c'est ce que je te dis, c'est Kali n'a pas vocation à être utilisée dans la vie de tous les jours, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut en termes de suivi, de support, etc. Après, si tout ce qui t'intéresse, c'est la façon dont ça, enfin, l'interface graphique, tu vois, tu la trouves cool. Ça, par contre, tu peux transformer l'interface graphique de Linux en ce que tu veux. Tu peux vraiment prendre une autre distribution Linux et lui faire ressembler comme 2 gouttes d'eau à Kali. Ça, c'est pas un problème. Non, mais pour le coup, c'est vraiment Kali Linux en soi qui m'intéresse, Ouais. parce que c'est les outils là-dessus qui m'intéressent. Après, normalement, il me semble que c'est relativement sérieux, donc ça devrait aller. Mais je peux pas trop te renseigner dessus parce que je connais pas trop. Bah, du coup, s'il y a personne qui a une question à poser, je me suis fait plusieurs fois la réflexion dans ce que tu disais, Zilog, est-ce que tu penses pas que si, admettons, il y a plus d'entreprises, du moins privées, qui vont passer sur de l'open source. Est-ce que tu ne penses pas qu'on va quand même retomber dans une espèce d'optimisation, ou j'en sais rien, mais quelque chose qui va faire que ben, les entreprises vont quand même réussir à détourner l'open source? Et il y a aussi d'un autre côté, est-ce que tu penses vraiment que l'open source a une chance face au, en tout cas en termes économiques, a une chance face au privé, au logiciel, je sais plus comment t'appelles ça. C'est libre. Ouais. Attends, la question, j'ai un peu oublié le début, mais
En gros, effectivement, c'est quelque chose dont Stallman a peur, et c'est pour ça que Stallman ne veut faire que du logiciel libre. Parce que si tu fais que du logiciel libre, à aucun moment tu peux faire du logiciel propriétaire avec. C'est protégé par le droit d'auteur, donc c'est OK. Malheureusement, l'open source est un peu plus permissif. Donc, par exemple, j'ai parlé de la licence MIT qui permet derrière de transformer un logiciel en logiciel propriétaire. Du coup, effectivement, tu peux avoir une... On peut détourner en quelque sorte le logiciel libre, et ça serait pas très joli à voir. Par exemple, tu pourrais avoir une distribution faite par Microsoft, qui est du coup de base libre, mais avec une grosse couche propriétaire qui espionne les utilisateurs de façon générale. Et ça serait effectivement catastrophique, d'un point de vue, enfin, c'est complètement détourner le logiciel libre, tu vois. Et ça serait par contre autorisé. Faire tourner un logiciel libre sur du logiciel propriétaire, pardon, sur du logiciel libre, ça poserait pas de problème légalement. Après, si tu veux, c'est un peu ce qu'il dénonce avec du coup l'open source. Après, économiquement, de toute façon, les entreprises voient que elles ont tout intérêt à faire de l'open source. Microsoft fait de plus en plus d'open source. Google fait de l'open source. La plupart des entreprises finissent par faire de l'open source, en fait. Donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai pas de préoccupation à me faire par rapport à l'aspect économique et sa propagation. Après, est-ce que ça peut être détourné? J'ai presque envie de dire que c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas par moment, malheureusement. Mais bon. Bonsoir. Au titre des détournements, j'ai peut-être quelques exemples. Oui. Alors, On t'entend pas, Cyril. ah, on m'entend pas. Ok. Là, on t'entendait. Ah, ok. Bah, je vais repasser sur le PC fixe. Je vous rejoins. Je vais prendre un casque et je vous rejoins. Allez-y, continuez vos échanges et je vais préparer mon micro. J'aurais une remarque de fond à vous poser, mais enfin, c'est plus un constat qu'une remarque, mais voilà, je me prépare. Là, c'est bien du coup, hein, vas-y. Ah, ok. Ah non, c'est plus bien là. Non, bah du coup, on t'entend plus. On va pas y arriver, on est d'accord. Non, ok. Ça arrive. Attends. Après, le logiciel libre a-t-il sa chance face au logiciel proprio, pour répondre un peu plus précisément à cette question-là, franchement, je pense qu'il a toutes ses chances. Et je pense qu'à long terme, il va forcément prendre le pas d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je pense pas. Je pense il n'y arrivera pas totalement. Mais en Ah, fait, ça soit imposé, bien sûr, mais c'est pas possible. enfin, moi, ma vision des choses, c'est qu'il y a trop, 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 trop de choses enfin, qui seront un contre-pouvoir pour les personnes lambda, en fait, si on prend du logiciel libre. Et donc, ça enlèvera certaines possibilités certains marchés, enfin, ça enlèvera certains marchés aux entreprises qui, par exemple, font de la récupération de données en masse, les revendre, des entreprises comme Cambridge Analytica, etc., etc. Je pense que De ça, base, de grosses parts du marché, à mon avis, ça ne peut pas passer. logiciel libre ou pas, ou logiciel propriétaire, peu importe, ces choses-là ne devraient pas exister en fait. Donc, je pense même pas que ce soit un débat en fait de modèle d'économique, etc. Je pense que ces façons de faire, clairement, c'est virus en fait, parce que c'est des logiciels virus, concrètement parlant, ne devraient pas pouvoir faire ça de base en fait. Donc, le logiciel libre, c'est juste une garantie que ces gens-là ne font pas ça. Bah oui, mais justement, et c'est enfin, moi personnellement, d'ailleurs, merci à vous de m'avoir fait vous passer sur Linux, parce que dès qu'on aura fini, je pense que je vais rester à Linux. Mais en vrai, je pense pas que, enfin, déjà, vu, ah, en gros, je vais refaire ma phrase, hein. Je pense que c'est tellement implanté dans le quotidien des citoyens lambda, des personnes lambda, que ça sera pas possible d'aller vers le logiciel libre, parce que
les entreprises en général ne laisseront pas la possibilité aux personnes lambda d'aller vers du logiciel libre. Ou, d'un autre côté, les personnes lambda ne voudront pas aller vers du logiciel libre parce que l'utilisation, elle est trop compliquée pour eux. Installer pour monsieur tout le monde un exécutable sous Linux, c'est pas possible. Faire une update de son Linux via une console, via un terminal, c'est pas possible pour Ah, monsieur. c'est pour ça que tu as des distributions comme Manjaro qui ont un outil graphique et qui te mettent tout le système à jour, comme ça, tu as juste à écrire ton mot de passe. Il fait, y a une mise à jour, mettre à jour, tu tapes ton mot de passe et c'est bon, quoi. Donc, je pense que la communauté GNU Linux répondra petit à petit à toutes les attentes de monsieur tout le monde. Le seul problème, ça serait vraiment l'adoption et en fait le fait que les gens soient éduqués à est-ce qu'ils ont un logiciel libre ou propriétaire. Et ça, cette éducation, franchement, il faut rester réaliste. Elle arrivera jamais. Mais vraiment jamais. C'est juste une question de quel logiciel on les habitue en fait à utiliser de façon assez indirecte à l'éducation nationale, à leur travail, dans les gouvernements. Et en fait, je pense que le logiciel libre, ça va s'imposer comme un impératif éthique, moral et une protection vis-à-vis du captage de données personnelles, de la vie privée et surtout des données des entreprises françaises, des gouvernements français. Mais même d'autres gouvernements et d'autres entreprises étrangères. Et je pense que la population va peu à peu s'habituer à ces logiciels-là et va les utiliser parce qu'en fait, ils ont l'habitude, tout simplement. Après, effectivement, tu auras toujours des réseaux sociaux, des TikTok, des logiciels propriétaires qui vont faire n'importe quoi. Mais là, c'est une question de régularisation. Si quelqu'un se dit, bon, on arrête les conneries, on fait une loi, on interdit la captation de données personnelles dans le but de les revendre à des fins publicitaires, ces applications-là ne pourront plus voir le jour. Elles n'ont plus de modèle financier. Est-ce que ça serait franchement mauvais de voir TikTok disparaître? Je suis pas. Non, mais en fait, c'est pas ça la question. Enfin, tout le monde sait que c'est de la merde TikTok, que c'est de la merde Facebook, etc., etc. Mais ces entreprises-là, enfin, c'est qu'on va dire, hein, mais le gouvernement ou les gouvernements en général vont pas se priver d'une part de marché. Je suis d'accord avec Je vais faire le gentil, hein, je vais faire le gentil, je vais faire l'avocat du diable, mais concrètement, enfin, un pays est une entreprise. Tout ce qui est économique et tout ce qui peut venir qui est économique dans ce pays, ils vont pas dire non. Et peu importe que ça touche à la liberté des citoyens, ils en ont rien à foutre. Ouais, mais en Donc fait, c'est ce que je te dis, c'est que y a quand même des. Ça commence à devenir un sujet quand même relativement important dans le débat public actuellement, les données privées. On voit les Cambridge Analytica, les Facebook et Apple qui se font interroger par le Congrès américain. Donc, ces choses-là commencent à apparaître. Donc, qu'un jour, l'Union européenne nous fasse un petit caprice, un bon caprice pour une fois, et commence à interdire des pratiques qu'ils jugent pas très bonnes, ça peut passer que par là en tout cas. Maintenant, c'est sûr et certain, ça ne peut passer que par là. Et si ce genre de directive passe, qu'on commence à protéger activement les données de l'utilisateur, bah, ces applications auront un modèle financier qui sera complètement remis en question, quoi. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas demain la veille. J'ai repris un casque pour avoir un peu de. Voilà. J'aimerais vous poser en fait une remarque, mais vous avez déjà commencé à la mettre pendant nos échanges, donc je vais peut-être réinsister. En fait, pour moi, le problème est le suivant. C'est qu'il y a un arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, c'est que qu'il y ait du logiciel libre ou du logiciel propriétaire, c'est une couche. Et les gens sont libres de choisir une couche ou une autre. Pour moi, là où ça déconne à plein tube, c'est en fait dans la microélectronique. C'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, pour se simplifier, simplifier l'écriture d'un logiciel, on crée un groupe de fonctions et on dit aux gens, voilà, pour se servir par exemple du microphone d'un téléphone portable, vous appelez la fonction machin et vous inquiétez pas et vous pourrez utiliser le flux et le flux sonore, il sort comme ça et voilà. Et donc c'est des arguments et on appelle la fonction les arguments et la fonction fait son travail. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, en fait, imaginez que vous ayez un téléphone portable. Il y a une distinction très forte à avoir entre le logiciel et le matériel. Parce qu'en fait, ce qu'on rapproche pas assez, c'est que le matériel, en fait, il contient du logiciel.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les transistors, on place des transistors câblés de telle façon à ce qu'il y ait déjà du traitement logique. C'est dans le silicium. Et ça, on ne peut pas y toucher. C'est pour permettre, en fait, de faire du calcul. Le truc, c'est qu'il y a des instructions dérobées qui sont gravées dans le silicium et elles sont noyées dans la masse. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis d'Amérique se disent, bordel de cul, c'est pas normal qu'il y ait trop de composants qui soient fabriqués en Chine. On ne sait pas ce que les Chinois y câblent. Avec, par exemple, le problème de Huawei. Huawei vend des systèmes de télécommunication. Et en fait, on sait que visiblement, Huawei a des fonctions piégées, dérivées, gravées dans le silicium, qui donnent des coups de couteau dans le dos aux uns et aux autres, y compris aux Chinois. Hein. Un niveau d'accès, une élévation de privilèges permanent qui font que, ok, vous avez vous la fonction qui permet de vous servir du micro de votre téléphone. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que votre téléphone de téléphone portable, en fait, il vous espionne. Il y a des gens qui se sont rendus compte que, par exemple, il y a des logiciels, quand vous vous en servez pas, il y a en fait il y a un passage en protocole USB, on voit des paquets USB passer de votre caméra. Parce qu'en fait, la caméra, elle fonctionne par intermittence. Elle prend des photos de vous par intermittence. Tout le temps. Et vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire que vous avez beau changer Linux, machin, c'est plus Windows, c'est Linux, c'est pas grave. C'est en fait très très en dessous au niveau du processeur que les choses se font. Et le problème, c'est que l'audit du code de câblage des transistors, vous en avez des centaines de millions de transistors. Et en fait, aucune autorité peut légitimement dire ce produit-là, ce processeur-là, ce composant mémoire-là est bon. Personne peut dire ça. C'est toujours une quête de dupes. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a l'impression d'avoir du logiciel libre, mais c'est pas vraiment une raquette. Il y a un trou énorme, mais personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. On vous oblige à jouer qu'une raquette. La raquette qu'on vous donne. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le monde, les gouvernements ont fait en sorte de comploter à fond pour accéder au secret des correspondances de tout le monde. En fait, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une quête éperdue de dire, oh là là, on va lâcher des ordinateurs pour les uns et les autres, on va démultiplier la productivité et on va pouvoir savoir tout le temps ce que tout le monde pense tout le temps. Et on va attraper les informations tout le temps. Des fois que on est tellement inquiet que dans la masse, soyons fous, il y en a peut-être un ou deux qui vont faire les fifous, on le saura. C'est un peu l'œil de Sauron, quoi. C'est voilà. C'est du totalitaire. C'est ça, ma crainte. Amen. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent des spécifications ouvertes, qui veulent des implémentations ouvertes, qui veulent que justement, côté matériel, ça se fasse un peu mieux. Au niveau du firmware, on essaie d'avoir du firmware libre. Un projet intéressant pour avoir un peu un ordre d'idée de cette problématique-là, c'est le projet PinePhone, qui essaie du coup de faire un smartphone entièrement libre. Et qui admettent ne pas pouvoir entièrement à cause justement de cette problématique-là, de composants dans le smartphone qui sont malheureusement, qui ont malheureusement des micro-logiciels, des micro-codes propriétaires. Je vous poste un lien pour le projet PinePhone pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est surtout pour des développeurs. Pas forcément utilisable dans la vie de tous les jours, surtout si vous utilisez des applications genre WhatsApp et ainsi de suite. Mais enfin bon, c'est toujours intéressant à voir comme projet. La question d'Agagax, dans la lutte entreprise libre, est-ce qu'on ne pourrait pas interdire la récupération des logiciels libres par les boîtes privées? Alors ça irait à l'encontre de la liberté zéro, celle de pouvoir exécuter un logiciel, quel que soit le but recherché, comme on veut, etc. Cette loi, à la base, c'est plutôt pour combattre les monopoles. Donc, qu'en gros, on puisse utiliser un logiciel fait par une entreprise, même si c'est en dehors de son matériel à lui. Par exemple, utiliser une application Apple sur un PC Windows. Ça irait contre cette loi-là. Et c'est pas forcément un problème qu'une entreprise utilise des logiciels libres. Après, si tu veux, si tu veux dire par là, la récupération des logiciels libres dans le sens récupérer son code source, c'est déjà interdit par la licence, en fait. T'as pas le droit de prendre un logiciel libre et de le transformer en logiciel propriétaire et de faire de l'argent derrière avec une couche propriétaire.
Ils essaient de contourner ce truc-là, mais ils ont un peu du mal actuellement. Et pour finir là-dessus, non, je crois que j'ai fini. Si ça répond à ta question, tu me dis. Maintenant, ouais, de toute façon, le logiciel libre est protégé par le copyright, donc normalement, ça va. Après, est-ce que c'est une protection comme les copyrights pour les sites? Parce que sinon, parce que si c'est ça, c'est genre juste inutile. Il y a Il y a combien de combien? sites aujourd'hui dans le monde où les mecs se sont contentés de juste récupérer le JS, le CSS et le HTML et puis. Techniquement, un site internet est soumis au droit à une licence également, quoi. Après, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels qui remanient le code de façon à ce qu'il soit illisible. Ils n'exploitent pas. Vas-y, vas-y. Bon, j'ai fini. Enfin, mais après, ça pose problème. Mais après, de toute façon, au niveau du logiciel libre, des sites internet, il y en a très peu qui utilisent une licence libre, en fait. Donc, c'est pas vraiment. Enfin, ça n'a jamais été vraiment un problème sur Internet. Maintenant, ce qui est un problème sur Internet, c'est surtout l'utilisation de plugins tiers qui récoltent des données personnelles, ou bien le fait qu'on récolte les données de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a fait sur le site internet, quand, comment, pourquoi, quel mot de passe il a utilisé, avec qui il a discuté sur, par exemple, Facebook, enfin, quelle chose il a liké. Mais ça, après, c'est au-delà du libre, en fait. C'est surtout une question de fonctionnalités qui sont à mettre en place ou pas. Tu veux dire des cookies, pas des plugins? Non, les deux. Les deux. Ce que tu veux Les dire, deux, c'est les que deux. les plugins, genre AdBlock, tout ça, ils récupèrent des abos? Pardon, je me suis mal exprimé, pardon. Plutôt des extensions utilisées par les développeurs. Par exemple, les mecs qui vont utiliser Google. Mince, Google. Le truc de publicité de Google pour gérer la popularité d'un site web. AdBlock. Non. Je cite quelqu'un. Ah, Analytics. Google Analytics, pardon. J'ai C'est vraiment pas compris. un cookie, ça, c'est pas. Bah, c'est. Ouais. En fait, ils vont faire appel à des API tierces, quoi. Mais de la même façon, quand tu vas sur un site internet et que pour gérer le code Ajax, les mecs utilisent justement ou ouais, Ajax ou autre, quand les mecs ils utilisent justement le code fourni par Google, il y a forcément une requête qui va être faite vers les sites internet de Google, en fait, depuis ton poste à toi, puisque c'est un appel en local. Donc du coup, Google va être notifié que tu as essayé de te connecter à ce site-là et que du coup tu as eu besoin de ce truc-là. Donc je pense que ça va assez loin, en fait. C'est assez pervers, les sites internet, la façon dont ils fonctionnent actuellement. Mais enfin bon. Vu qu'on est en train de parler de Google, parce que ça me revient à la tête à ça. Google, je crois qu'il y a un ingénieur de chez Google qui a parlé justement de comment fonctionnait le DNS. Et en gros, il y a genre un délire de pen testing qui se passe au moment de vos recherches et au moment où vous rentrez sur un site. Et je suis désolé, j'ai plus le titre du livre de l'ancien ingénieur de chez Google, justement, qui a travaillé sur ces protocoles. Et en gros, à chacune de vos connexions sur le site Google, tout simplement, et à chacune de vos interactions avec les liens, avec les URL, donc avec le site, et ben, vous avez des scans de vos ports, et enfin, bref, tous les trucs de base pour faire, en gros, une pré-attaque. En gros, c'est la première étape de ce que font des pen testers. Et donc, en gros, vous faites entre guillemets hacker, hein, sans vraiment qu'on ait un accès routé à votre machine, mais ils cherchent quand même si il y a des failles à exploiter sur votre machine, quoi. Pas sur votre réseau.
Si quelqu'un a le lien du livre ou quelque chose comme ça, ben, ça pourrait être intéressant parce que je l'ai lu il y a très longtemps et du coup, je me rappelle plus du tout du livre. Alors je remonte parce que je ne sais pas si j'ai loupé des trucs. Il me semble que tu as loupé une remarque d'extrême. De qui? Interdire des pratiques qui ne rapportent pas encore jusqu'à ce qu'elles rapportent. Ou je me trompe. Est-ce que c'est des propos complotistes? Quoi donc, persona? Est-ce que tu peux... Réaction au propos de Cyril sur Ah, non, pas du contrôle. tout. C'est pas du tout des complotistes, malheureusement. Il y a un vrai problème au niveau du micro-logiciel des composants, en fait. Ça, pour le coup, c'est une vraie problématique. Donc, c'est pas vraiment complotiste. Et d'ailleurs, l'Intel Management Engine est un exemple assez marquant de ça. Malheureusement, il y en a d'autres. Et c'est d'autant pas un complot que il y a eu comment on appelle ça? Pas la faille, le leak Edward Snowden? de chez Intel. Pardon? Rien, pardon. Ouais, bah voilà, il y a eu le leak de toute la doc de chez Intel, et apparemment il y a des trucs suspects dedans. Je sais plus qui en avait parlé. Ouais, Ouais. c'est passé en fait il y a pas longtemps dans la communauté de gens qui s'intéressent en fait aux fondeurs et aux micro-architectures qui sont câblées sur silicium. En fait, si tu veux, le souci pour moi est toujours pareil, c'est que on sait par exemple que visiblement en fait la NSA avait rôlé l'intégralité de tous les disques durs de la planète en mettant en fait un micro firmware, c'est une DLL qui est gravée dans le silicium et qui a pas accès. Elle est là, mais tu n'y as pas accès. Et il n'y a que en fait des chercheurs en sécurité informatique qui eux en fait sont en mesure de pouvoir en fait interroger très finement au niveau de l'électronique, qui en fait se rendent compte que c'est pas un composant honnête. Il y a une passerelle, il y a une élévation de droit à un niveau incroyable, et c'est ça qui permet en fait de faire des attaques en force. En fait, c'est souvent présenté comme étant des possibilités de maintenance à distance. Pour, tu sais, en fait, des architectures qui font que quand tu as des milliers d'ordinateurs reliés en réseau dans une entreprise, tu as un super, super admin qui vient et vient te mettre la peinture pendant que tu es en train de dormir. C'est vendu comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas à ça que ça sert. Tu as dans les services secrets pour les télécommunications en France, c'était déjà une pratique assez ancienne qui consiste en fait à dire j'informe les opérateurs de télécommunications que ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, c'est un truc de test pour vérifier que tout fonctionne. En fait, pas du tout. C'est juste en fait quelque chose qui est fait pour faire des écoutes judiciaires ou extrajudiciaires. Parce qu'il y a une violation du secret des correspondances. C'est un principe. Donc en fait, l'idée, c'est quand tu lis, par exemple, les archives déclassifiées des mouvements anarchistes à Paris, il y avait des réunions qui se faisaient le soir. Tu avais un compte rendu de la réunion de personnes qui étaient en train de comploter pour faire des attentats et pour discuter du mouvement anarchiste. Le lendemain matin, c'était déjà sur le bureau du ministre français. Et ça, c'était en 1820. Et c'est une technique. C'est de l'infiltration, etc. Et ça, c'était en 1820. Imagine aujourd'hui. C'est ça qui est effrayant. 1820. Voilà, ouais. Il y a eu des archives déclassifiées il y a pas longtemps. Je vais essayer de te les retrouver en vitesse, si j'arrive. 1820 ou 1920? 1820. Mais t'as bien parlé de technologie. Je parle pas de 1900, de 1820. Ou j'ai loupé un truc. Non, non, c'est que déjà dès 1820, au moment où les gens ils écrivent à la plume et qui s'éclairent à la bougie et qu'ils sont pas ils ont des oppositions politiques très fortes, eh ben l'État a tout moyen de savoir ce que les gens se disent et se pensent.
à Paris avec des délais de restitution de quelques heures. Et ça, c'était Ah, enfin, okay. police française. Ouais, non, mais c'est parce que t'as fait un raccourci d'un coup, comme ça. J'ai quoi, truc, quoi. Mais ouais, mais après, je sais pas si la DGSE et la DGSI ils sont aussi performants que ça, en fait, hein, parce que en vrai, ouais, je sais pas exactement, mais ça me fait douter, puisque rien que notre état en soi, il a l'air d'être à la ramasse. Dans tout, en fait. Faut bien se rendre compte d'un truc, hein. C'est pas l'État français qui va s'amuser à développer des backdoors, etc., etc., etc. En revanche, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter auprès d'entreprises spécialisées des logiciels d'espionnage qui vont permettre de craquer l'accès à un smartphone, par exemple, ou autre, en fait, qui vont exploiter des bugs, ce genre de choses. Après, d'aller directement dans le firmware, se détecter ceci, cela, c'est sûr que ça risque d'être un peu compliqué pour l'État français, c'est plutôt ceux qui l'ont mis en place. Mais la France va acheter des logiciels qui leur permettent de faire tout ça. Et renseignez-vous sur Milipolis, c'est un salon du renseignement de la police, des nouvelles méthodes d'espionnage et des nouveaux équipements pour la police, même en termes de sécurité physique, hein. Et c'est très intéressant ce qu'ils font. Il y a très peu de journalistes qui y vont, mais ça donne un bon aperçu de à quel point on est dans la merde dans le futur. Xtreme, il a raison d'à côté, parce qu'on a quand même l'ANSSI, on a quand même. Bah c'est vrai que la DGSE, elle se modernise de plus en plus, mais je pense que la DGSE, après, c'est peut-être que les apparences, hein, je suis personne pour avoir des preuves de ce que j'avance, mais je trouve que la DGSE, elle est quand même à la ramasse, si, hein, dans. En tout cas, en intelligence économique, elle est à la ramasse, hein. Sinon, on n'aurait pas perdu Alstom, enfin, il y a plein de trucs qui, je sais pas, il y a plein de trucs qui montrent que, bon, en tout cas, ouais, je sais pas. En vrai, c'est les États-Unis qui étaient face à nous, donc c'est pas étonnant qu'on ait perdu Alstom. Un petit lien sur Millipol, un article qui parle de Millipol pour ceux que ça intéresse. Je vais continuer les questions, les remarques. Il y avait une remarque de Serenity, je crois. Je voulais rebondir là-dessus. Beaucoup de distributions Linux sont contraintes d'embarquer des morceaux de code, firmware, pour utiliser certains composants. C'est vrai, c'est un vrai problème, mais heureusement, en fait, il y a des distributions entièrement libres. Qui ont été créés du coup, par exemple Triskel, qui est la distribution qu'utilise Richard Stallman du coup. Mais effectivement, il y a un vrai problème avec certains firmwares qui sont malheureusement propriétaires. Mais du coup, certaines distributions sont plus libres que d'autres. Et vous allez sur le site de la GNU.org pour en avoir une liste. Millipol est accessible aux citoyens lambda ou seulement sur carte prussienne? Millipol, le salon? Tu fais genre, c'est normal que tu rentres dedans, on va dire. Je crois que les journalistes, ils font comme ça, en fait. Ils rentrent en mode, t'inquiète pas, c'était prévu que je rentre. Et derrière, ils se présentent toujours comme des potentiels acheteurs auprès des stands, parce que sinon, jamais, ils auraient des informations, des présentations. Ouais. Ouais, donc moi je rentre pas en fait, hein. Ah Tu peux tenter, hein? mais avec une tête de rebeu, je suis pas sûr que je rentre. Bah, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir pas mal de représentants de pays arabes qui veulent éventuellement acheter du matériel pour surveiller leur population. À mon avis, il doit y en avoir pas mal, hein. Faut pas sous-estimer. Ok. Bon, on va tester ça. Là encore, Ghostery, mais arrêtez avec cette application, utilisez des trucs plus intéressants. Je vous ferai une liste d'extensions pour un navigateur, un peu plus respectueuses que Ghostery, qui sont sympathiques. Juste petite question, Oxflame,
T'as essayé de regarder ou pas pour tu m'avais parlé de faire tu m'avais parlé d'une espèce de comment on appelle ça, une application open source qui ressemble à Discord. Je sais pas comment l'expliquer. Alors là, comme ça ne nous dit rien du tout. On avait fait une espèce de groupe Discord sur lequel on parlait justement de dev, une espèce de chat IRC qui ressemblerait à Discord. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, J'ai pas entendu. à faire quand on la développe entre nous. Ouais. Mais je crois que c'était U Matrix ou un truc dans le genre. Je crois qu'il y avait Matrix dedans. Alors, U-Matrix, c'est une extension de navigateur, donc je pense pas que ça soit ça. Mais effectivement, tu avais une application ce qui s'appelait Matrix et qui était une application décentralisée de communication du type Telegram, WhatsApp, etc. Donc éventuellement, si vous voulez faire un truc à la Discord, c'est le genre d'application qu'on peut utiliser et détourner, vu que c'est du logiciel libre, vous créez votre propre version avec vos propres fonctionnalités. Mais ouais, Matrix, ça s'appelle. Ah ouais, bah justement, il y avait Matrix dedans. Maintenant, je crois que Upstream, il doit avoir encore dans ses messages l'URL du truc. D'ailleurs, l'État français s'est créé un réseau basé sur celui de Matrix. Tiens. Le gouvernement, ouais. C'est vrai que Ouais, bah voilà, c'est uniquement le ça, la gouvernement Matrix. a créé son application basée sur Matrix. Et du coup, il y avait une faille de sécurité immédiate le premier jour. C'était assez marrant sur l'adresse mail. Enfin, bref. Ouais, et pour ceux que ça intéresse, parce que j'en entendre parler du fait de développer sa propre plateforme comme Discord, il y a un projet qui est actuellement en cours. Et d'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui ont des compétences techniques et qui souhaitent y participer, vous pouvez me contacter en message privé. Et d'ailleurs, ceci en rapport avec ce Discord, parce que bon, comme il a été dit, Discord, effectivement, niveau vie privée, c'est pas fiable. Donc, il y a un projet en cours, justement, y compris pour cette communauté, de pouvoir avoir justement une autre plateforme. Donc, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez des compétences et que vous souhaitez participer à ce projet-là. Bon, après, on parlera de ça plus tard, mais bon. Agac, non, non. Il y avait l'ours. Cyril, il n'y a pas de limite technique au traitement du volume de données récupérées pour l'interrogation. Alors, ça, c'est une bonne question. Et en fait, il suffit de voir en fait ce que peut faire la NSA, en fait. À l'époque des révélations de Snowden, c'était du coup en 2014, si j'ai bonne mémoire. 2013, pardon. 2013, si j'ai bonne mémoire. La NSA pouvait stocker tout Internet pendant 5 jours. Donc imagine la quantité de volume de données que c'est. Et ils pouvaient stocker sur 5 ans les données les plus importantes, qu'ils jugeaient importantes. Et sinon, toutes les données de façon générale, ils ont stocké les métadonnées. Donc les métadonnées, c'est qui s'est connecté à quel site Internet, quand, à quelle heure, depuis quel appareil, sans forcément avoir le contenu en fait de ce qui a été fait. Par exemple, là, on discute tous entre nous. En gros, si tu veux, ils retiendront que tous ces utilisateurs-là ont rejoint la session de tel serveur Discord à telle heure, pendant tant de temps, se sont déconnectés à telle heure, etc. Ils vont pas avoir le contenu de l'audio, par exemple. Donc, et ça, ces métadonnées-là, ils vont le stocker pendant 30 jours. Ça, c'était à l'époque, en 2013, quand Snowden avait été interrogé sur ce programme, XKeyscore. Il avait estimé qu'il pouvait probablement le faire aujourd'hui sur 6 mois. Alors c'était une interview, je me rappelle plus de quand ça datait, mais il en parlait récemment. Je pense que la quantité de données qu'ils peuvent aspirer est assez phénoménale. Faut pas sous-estimer ça malheureusement. Après, une autre chose à voir, c'est que souvent au niveau de l'espionnage, c'est parfois de l'espionnage ciblé. Donc ils vont pas s'amuser à pomper en masse les données. Mais parfois, ils vont juste cibler une personne en particulier, et là, ça fait beaucoup moins de données à siphonner. Alors, en fait, la particularité aussi, c'est que
Et ce qu'il faut bien représenter, c'est que Snowden, en fait, avait expliqué à l'époque qu'il y avait un pays, il n'a pas voulu révéler lequel, qui en fait faisait l'objet d'une écoute téléphonique. Donc là, en fait, on parle de l'interception audio, de l'intégralité de ses appels téléphoniques intérieurs pendant un mois. Et on ne sait pas de quel pays il s'agit. Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? On ne sait pas. Mais visiblement, c'était plutôt un pays européen. Visiblement, les gens de Framasoft, etc., sont plus ou moins obligés de coopérer avec les services français. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'entendais un truc qui m'a fait tilter. Ils disaient qu'ils avaient fait un procès avec 29 gardes à vue de gens qui étaient soupçonnés d'avoir envoyé de l'argent en Syrie en utilisant du Bitcoin qui avait été acheté par ticket anonymisé et qu'ils en avaient retrouvé la trace. Parce que les gens utilisaient Telegram. Tiens, tiens, tiens. Et que d'une manière générale, en fait, ce qu'ils font, c'est que il y avait des gens qui avaient déjà été invités à Levallois-Perret pour discuter, des gens qui sont d'origine familiale syrienne, et que visiblement, en fait, bah, ils avaient dû prendre leur numéro de téléphone, et que derrière, en fait, on fait éventuellement tourner des supercalculateurs, et que Telegram ou pas Telegram ou d'autres messageries, ils cassent, ils servent. Et puis ben derrière, ils chargent quoi. Donc l'idée, c'est que il y a en fait un recoupement extrêmement fin sur les transactions financières, et qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de faire la chasse à l'argent liquide en plus. Ouais. Concernant Telegram, juste pour information, alors Telegram, c'est assez bizarre, mais en gros, l'implémentation de leur logiciel est de façon générale open source. Donc on a accès à comment l'application a été faite. Malheureusement, en fait, tout le back-end, tout le côté serveur, ben, on n'y a pas accès, c'est du propriétaire. Donc on ne peut pas savoir ce qu'ils font des données personnelles. Derrière ça, il y a des liens plus ou moins bizarres avec la Russie. Et surtout, ils utilisent leur propre système de chiffrement fait maison, ce qui est une pratique complètement, genre, enfin, comment dire, sans utiliser de... Ouais, non, c'est con, en fait. C'est juste une grosse connerie à faire d'utiliser son chiffrement maison. Donc, au niveau sécurité, Telegram, c'est en gros une blague, hein, faut dire ce qu'il en est. Et En d'ailleurs, fait, Jack c'est quoi Dorsey les grosses? parlait dans un interview et disait lui-même que c'était une blague. Donc, Telegram, c'est pas étonnant que ça soit utilisé, enfin que ça soit un peu espionné à gauche à droite. Je suis pas sûr, hein. Et tu as dit de une méthode d'écryptage perso, c'est une blague. Ben en fait, faut jamais faire de chiffrement maison, en fait. C'est une règle informatique, tu fais pas. Franchement, je suis pas convaincu, hein, parce que du chiffrement maison, ça peut justement être une bonne méthode pour que personne arrive à accéder. Enfin, je veux dire, admettons que je m'y connais pas du tout en cryptage, mais j'ai beaucoup bossé avec des personnes qui, par exemple, utilisaient des méthodes maison, justement. Et pour le coup, je sais pas, mélanger, par exemple, une phrase, un mot, avec plusieurs méthodes de cryptage ou faire soi-même sa méthode de cryptage, ça me semble plutôt pas mal au niveau sécurité, quoi. Bon. Ben en fait, justement, c'est pas le cas parce que si tu fais une méthode de chiffrement maison, jamais elle sera correctement auditée. Jamais on vérifiera quelles sont les failles, etc. Alors que à côté, tu as des librairies de chiffrement reconnues, sécurisées, qui ont été auditées par de nombreuses personnes, qui sont du coup open source. Donc en fait, n'importe qui peut vérifier que le chiffrement est assez fort. Et du coup, en fait, c'est quand tu fais du chiffrement maison, c'est l'inverse qui se produit. Tu rends ton application beaucoup plus fragile. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je pense que je sais pas si des gens ont des documents là-dessus ou peut en parler mieux que moi, mais Alors, en fait, enfin, l'idée, c'est que depuis qu'on s'intéresse en fait à la cryptographie, donc ça fait depuis quand même maintenant un peu longtemps, il y a des mathématiciens qui bossent là-dessus, c'est une théorie mathématique, et il y a en fait les principes d'asymétrie. En fait, un bon système de chiffrement donne des asymétries très élevées, parce que tout système en fait a des faiblesses.
des algorithmes qui sont réputés être assez solides. Tout ça est une affaire de mathématiques. C'est des mathématiques très particulières. Et il y a des gens qui ont émis en fait des réserves sur certains algorithmes qui en fait peuvent paraître raisonnablement puissants, mais qui en fait ont peut-être des portes dérobées. C'est-à-dire en fait des astuces de calcul qui permettent en fait de défaire de manière très rapide la complexité de chiffrage pour en fait simplifier le calcul menant en fait à la résolution du chiffrage. En fait, il faut savoir que d'un point de vue légal, un système de chiffrement, c'est une arme. C'est considéré comme une arme de guerre. Et il y a un petit gars français qui s'appelle originaire du Liban. Il a créé un système qui s'appelle CryptoCat et son système a été abandonné. Peut-être qu'il a reçu des pressions. C'est-à-dire qu'en fait, il avait monté un système qui était extrêmement efficace et il est venu se faire assaisonner par les gens de Levallois-Perret qui lui ont dit « Coco, tu nous emmerdes ». Et en fait, l'idée, c'est que à partir du moment où on fait la publicité pour un système de chiffrement, là déjà, ça pue. Faut savoir que par exemple, il y a les gens de comment ils s'appellent à Nanterre, Fab Lab Nanterre, Electrolab. Ils ont récupéré une partie du supercalculateur du ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, dans son sous-sol, en fait, a un supercalculateur qui permet de casser les chiffrages. Et entre guillemets, du cassage brut. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils ont remplacé ce supercalculateur par un autre. Voilà. Ça, c'est l'état de ce qu'on sait. On sait qu'il y a le journal Le Monde qui a fait un papier sur un bunker qui est souterrain dans Paris. Et il n'y a pas de problème, ça turbine. Là, si on veut de l'eau chaude, il y a de quoi faire. Je me permets, puisque j'avais demandé à parler tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais, Cyril, par rapport au... enregistrements téléphoniques, vous pouvez écouter ou prendre ce que je vous dis, croire, pas y croire, mais j'avais bossé et puis j'avais même eu un prof qui m'avait sorti à peu près la même chose que le mec avec qui je bossais, j'ai eu plein d'échos de mecs qui travaillaient à des postes différents, donc que ce soit directeur ou à des postes même minimes, de personnes qui travaillent dans des data centers, dans lesquels et c'est plutôt souvent le cas, il y a des zones ou des étages complets réservés à l'État, donc plein de serveurs, plein de grosses machines réservées à l'État. Ça représente beaucoup de données et du coup pour le coup le directeur donc mon ancien prof de data center bon l'ancien directeur de data center qui est venu me faire des cours du coup m'avait rapporté qui s'était lié d'amitié justement avec une des responsables de cet étage qui appartenait au gouvernement du coup et que cette personne lui avait dit plus ou moins ce qui se trouvait dans ses serveurs, parce que ça l'intéressait beaucoup, et que c'était éventuellement énormément d'enregistrements téléphoniques. Donc maintenant, ça peut être des enregistrements téléphoniques d'organismes de l'État, par exemple, pour la qualité des services, mais bon, j'y crois moyen, étant donné que c'est super protégé. Ou ça peut être des enregistrements téléphoniques de gens lambda comme vous et moi encore. Voilà. Et du coup, Cyril, c'est devenu quoi là le truc dont tu parlais Le logiciel de chiffrage? Bah écoute, ouais. Il y a d'anciennes versions qui circulent toujours et les nouvelles sont arrêtées. Je sais pas ce qu'il fait Kobayashi. Son famille, c'est Kobayashi.
Kobeissi, je crois. Kobeissi. Nadil ou Nadir ou. Quand vous en parliez, ça disait que le chiffrement n'était pas forcément super sécurisé, mal audité, ou il y avait peut-être des failles à gauche à droite, mais t'en penses quoi, toi? Enfin, vu que tu le connais mieux que moi, probablement, ce chiffrement. Bah, le problème en fait est toujours le même, c'est que c'est une affaire de confiance. C'est-à-dire que le principe de l'open source, c'est exactement le même problème qu'on a en serrurerie. C'est-à-dire, tu dis, voilà, vous avez besoin de protéger quelque chose. Donc vous allez acheter une serrure. Et les gens, ils te disent, ouais, mais pourquoi j'ai acheté votre serrure à vous? Ah ben, je vais vous montrer comment elle fonctionne, ma serrure. Et là, les gens, ils te disent, ah ouais, c'est pas mal. Bon, bah, je vous la prends. Et donc les gens achètent la serrure en confiance, parce qu'en fait ils savent ce qu'il y a dedans. Mais bizarrement, en fait, il y a toujours un mélange des genres. C'est-à-dire qu'en fait, un serrurier, c'est un très bon voleur, parce qu'il connaît les techniques de vol. Et il se dit, bon bah c'est tout, c'est pas grave, je vais m'en prémunir, et puis je vais utiliser ceci, je vais utiliser cela, je vais utiliser machin. Et l'idée, si tu veux, c'est que dans les serrures, si tu veux augmenter le niveau de confiance, tu fais de l'open source. Et simplement, en fait, c'est un composant mécanique. Donc c'est relativement facile d'en faire le tour. Il y a une sacrée différence entre des serrures à goupille et des serrures à disque. C'est sûr que si tu prends une serrure et ça à Bloy, avec double rotor, etc., machin, ouais, tu augmentes ta sécurité. Mais c'est pas absolu. Quelqu'un qui vient avec une meuleuse sans fil, il fait péter un disque au carbure de silicium, et puis ça y est, c'est bon, elle est vaincue la serrure, en 15 secondes. Donc il y a toujours en fait une gradation dans le degré de précaution. Et le problème en fait en mathématiques, c'est qu'il y a des finesses. C'est-à-dire, il y a des finesses de calcul en mathématiques, mais elles sont enseignées comment? Parce que tout ça, c'est des secrets. C'est-à-dire que quand tu entends par exemple des sommités mathématiques comme Grothendieck, il te disait que finalement, ceux qui finançaient les recherches extrêmement poussées en mathématiques, c'était les militaires. Et lui, il dit, bon, bah, voilà, moi j'ai des compétences en mathématiques, c'est pas pour semer la mort et la désolation. Ça lui a valu de vivre en ermite. Il avait inventé des concepts mathématiques qui restent encore assez ardus aujourd'hui de connaître. Ses enfants ont remis un fonds documentaire qui appartient à la France, sur lequel on peut jeter un œil. Mais c'est un niveau très particulier. Je crois qu'il y avait un prof agrégé de mathématiques qui s'était penché sur une page. Et il lui avait fallu une journée entière de réflexion pour une page. Il y en a plus de 10 000. Hein. Ça, c'est l'héritage de Grothendieck. Et le souci, c'est qu'en fait, en cryptographie, en crypto-analogie, etc., c'est des affaires de dupes. Il y a des gens qui savent. Le problème, c'est pour qui ils travaillent et à qui ils s'en remettent. Donc, en fait, les intérêts légitimes sont dilués. On crée une puce sur silicium, on sait qu'elle fonctionne. La fréquence est plus ou moins élevée, et puis la consommation est de quelques watts, et la puce, elle fait une fonction qui est décrite dans les datasheets. Oui, en théorie. Dans la pratique, on ne sait pas. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que quand tu vois que les États-Unis d'Amérique se disent qu'il y a trop de semi-conducteurs qui sont fabriqués en Chine et que ça commence à leur casser les noyaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois font des portes dérobées, que les Américains aiment pas ça, et qu'ils voudraient reprendre le leadership sur les portes dérobées. Comment on interprète cette information-là? Donc c'est un vrai souci, en fait. C'est l'audit du code, la mécanique fine en crypto-analogie, en crypto-analyse, etc. C'est vraiment des affaires de spécialistes. Je veux dire, c'est pas des cours qui sont accessibles, c'est des connaissances très pointues. Ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, au final, l'audit du code, tout ça, c'est du déclaratif. Aujourd'hui, on sait qu'il y a du wiretapping. C'est une pratique courante. La France a un rôle géopolitique majeur parce que dans nos possessions d'outre-mer, on fait du wiretapping. Donc en fait, on sait que tout le chapelet d'îles qui est connecté après les dom-toms français, etc. Eh ben, on sait ce qui passe dans les tuyaux, puisqu'on fait des dérivations optiques. On fait des dérivations optiques et on récupère une partie d'information qui est déjà plus ou moins écrémée. Et tout ça, ça tombe pour des gens qui ont, entre guillemets, l'instrument de pouvoir.
Parce que le souci, en fait, c'est que ce qu'il faut se dire, la conséquence de tout ça, c'est que c'est quand même des grosses infrastructures qui sont totalitaires. Et le pouvoir de tout savoir implique un autre pouvoir qui est celui de tout chambouler. C'est là où, en fait, on voit que ben, derrière, l'armée américaine est très puissante. L'armée chinoise est très puissante. L'armement russe fait claquer des dents. À juste titre, etc., etc. Donc en fait, on sait par exemple que la CIA est un levier économique, c'est une arme économique à la solde des États-Unis d'Amérique. Les mecs qui se sont associés, c'est une sorte de mafia d'État, quoi. Voilà. Ils ont décidé de s'accaparer littéralement les boîtes du monde entier et ils connaissent tout sur tout le monde tout le temps et c'est totalitaire. Le principe même des réseaux sociaux est totalitaire. Moi, je pense que, d'une manière générale, il faudrait, à terme, qu'on fasse à peu près la même chose qu'en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'on interdise les réseaux sociaux, civilement. Que les gens se rendent compte que avoir des pubs pour Facebook, pour Twitter, pour machin, c'est les mener à leur perte. C'est-à-dire, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté d'entreprendre. Il n'y en a pas. C'est un mirage. Tu pensais quoi du coup d'un réseau social en mode libre, en mode open source? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour moi, en fait, c'est tellement totalitaire qu'il arrive un moment, il faut revenir sur des fondamentaux urgents. Il faut revivre comme nos grands-parents. Il faut apprendre à fermer notre grande gueule. Ah, merci. Faut apprendre à revenir à la machine à écrire. Ça les emmerde. Faut apprendre à cultiver ce principe directeur du pour vivre heureux, vivons très très cachés. Le problème en fait de la 5G, etc., c'est que c'est des technologies qui permettent sur du rayonnement à une vingtaine de gigahertz. Donc c'est vraiment des très très hautes fréquences, hein. On en fait passer des informations une seconde avec des fréquences pareilles. Donc l'idée, c'est que la 5G, en fait, c'est tout un univers de gens qui en fait brassent du vent et de l'air beaucoup, et en fait ils le valorisent. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important de connaître les opinions politiques des uns et des autres pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui se servent, pour ceux qui se servent de nous aussi. C'est une rupture du contrat social. C'est je te mets dans la merde et je vais faire en sorte que tu y restes et que jamais rien ne changera. Voilà. Et par contre, tu peux raconter ta life sur Instagram, machin, y a pas de problème. Au contraire, je t'encourage vivement à le faire. Voilà, c'est ça les directives actuelles. C'est du temps de vie qui est plus ou moins volé. C'est les états de santé, les états de pensée des uns et des autres. C'est totalitaire, littéralement. Ouais, clairement. Il y a Extrême qui voulait intervenir. Oui, c'était en rapport à ce que Cyril disait, il a totalement raison. Hein. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes tous. Moi, je me situe dans une génération un peu charnière, entre deux générations, entre la génération où on cachait tout et la génération où on parle de tout. Et je me rends compte que les générations après 2000 ont tendance à tout dévoiler. Enfin, je veux dire, même sans me mettre dans la peau d'un voyou, quand je vois des jeunes qui frappent des gens, qui se filment en train de les frapper, on voit leur tête et ils frappent les gens, je me dis, mais ils sont débiles à quel point de donner la preuve même de leur délit et de le publier ensuite pour se faire arrêter. Enfin, on arrive à un moment donné où les gens ne comprennent plus c'est quoi la vie privée, c'est quoi le protéger le secret, c'est quoi de ne pas tout dévoiler, c'est savoir se taire aussi d'un certain moment. Enfin, voilà. Le souci, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à des extrémités, c'est que le stationnement des voitures, en quoi je dois mettre ma plaque d'immatriculation? En quoi? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un collier pour chien qu'une balise GPS? C'est ça, vraiment, la vie en France? C'est des caméras de surveillance dans tous les coins? C'est quoi? C'est quoi le but de tout ça? Je veux dire, c'est quand même très problématique parce que tout se recoupe. La blockchain, oh, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. On crée un contrat de fourniture d'électricité et on sait qu'un tel, elle a vendu tant de kilowattheures aujourd'hui parce qu'il y avait des nuages. Et ça consomme une électricité de dingue, hein, pour faire une blockchain.
Donc une blockchain qui permet de dire on va authentifier la production électrique pour être certain qu'il n'y en ait pas un qui remette de l'électricité du réseau vers le réseau, enfin on en est là quoi. Mais ça, enfin moi personnellement c'est une croyance personnelle après voilà, mais par rapport aux réseaux sociaux et le fait de les interdire ou pas, je pense que derrière il faut poser la question déjà de du modèle financier de ces entreprises-là. Si tu empêches ces entreprises de gagner de l'argent d'une façon peu scrupuleuse, on va dire, ces entreprises ne pourront pas vivre de la façon dont elles le, enfin déjà elles mettront pas en place autant de solutions d'espionnage vis-à-vis de leurs utilisateurs, mais en plus de ça, elles ne pourraient probablement pas vivre en fait, tout simplement. Elles devraient forcément devenir payantes ou inclure un maximum de fonctionnalités payantes. Donc, je pense que rien que ça mettrait à mal un grand nombre de business en fait. Et moi, si tu veux, ce qui me rassure dans l'histoire, c'est que la machine va bientôt manquer de carburant. Voilà. Les Américains, ils auront très beau jeu de tout savoir sur tout le monde. En attendant, ils n'ont jamais consommé autant de pétrole. Ils ont jamais. Enfin, la bête se meurt, hein, clairement. La bête se meurt, mais elle bouge bien. Ah oui, ça pour bouger, elle bouge bien. Mais ça va manquer de carburant parce que tous ces gens foutent de la de l'économie tertiarisée. Je veux dire, les fondamentaux s'écroulent quoi. Les gens n'ont même plus de chez eux aux États-Unis. Là, je lisais un truc, et c'est extraordinaire. Ils ont inventé un nouveau métier maintenant aux États-Unis qui est vraiment un sommet d'intelligence. On peut devenir en fait un comment dire, c'est vraiment une drôle de profession. On peut devenir expulseur. Ils ont monté une boîte qui est l'équivalent de Uber pour expulser ton voisin. Tu prêtes tes bras et ton concours. Et en gros, en fait, on devient un agent privé chargé de foutre dehors quelqu'un qui n'a pas pu payer son loyer à sa banque. Voilà. Bah c'est parfait ça pour les squatteurs en France. Ouais. Et d'une manière générale, si tu veux, l'idée, c'est que bah, la pauvreté, en fait, elle est galopante aux États-Unis. Ils ont pas de système de santé et le pays est en train de crever, littéralement. Et ils ont 700 millions de flingues. Intéressant. Intéressant. Et donc, en fait, c'est vraiment une économie en perdition, les États-Unis. Je sais pas, en fait, au-delà duquel le coefficient de Gini devient tellement inique que les conditions de vie ensemble ne sont plus possibles. Parce que ça commence à se voir qu'il y en a que quelques-uns qui ont tout et que les autres n'ont rien. Ça commence à franchement se voir. Et l'idée, si tu veux, c'est que autant en fait les schémas de résilience, le fait de considérer qu'on va devoir changer de vie, c'est changer de vie pour quoi faire? Comment? Parce que tout ça, c'est une enveloppe énergétique. Pour faire quoi? Pour savoir que tu préfères les chips à la moutarde que les chips nature? C'est ça l'économie d'Internet aujourd'hui. Ouais, tu vas peut-être un peu loin sur l'analyse, mais je suis pas sûr malheureusement que comme toi que le carburant, enfin je suis pas sûr qu'un jour ils vont dire bon bah là on n'a plus de carburant, on peut plus alimenter la machine, donc du coup on doit faire sauter un certain nombre de services comme les réseaux sociaux. Je pense pas qu'ils vont s'amuser à faire ça. Ils vont trouver forcément autre chose. Bah forcément autre chose, tu sais, moi je me méfie parce que d'une manière générale, en fait, faut te dire une chose, c'est que là, quand tu lis par exemple un bouquin comme La civilisation du poisson rouge de Patino, t'as maintenant une sous-classe de citoyens américains à qui en fait maintenant leur seul rôle de vie, c'est de consulter, compulser frénétiquement ce qui se passe dans leur petit univers électronique. Ah c'est oui. Juste comme ça. Non, mais c'est le dernier film de Spielberg où en fait ils passent leur existence à jouer dans des taudis, quoi. C'est un peu ça. Mais t'as raison, mais malheureusement, à moins que des États interdisent certains algorithmes qui font que des gens rentrent dans une spirale d'utilisation des réseaux sociaux, déjà ces pratiques-là ne s'arrêteront pas. Et derrière ça, enfin. Internet existera toujours en parallèle au monde réel, entre guillemets, et tu auras toujours des pratiques complètement absurdes, des sites absolument absurdes, des réseaux sociaux un peu absurdes, qui apparaîtront indépendamment de la situation financière extérieure, si tu veux. Ouais, mais regarde, faut aussi regarder
les signaux faibles. Moi, j'aimerais bien connaître, ça serait intéressant à voir, de faire l'analyse des clichés satellites de la ville de Détroit et de passer en spectrométrie infrarouge et de repérer en infrarouge les surfaces de culture de jardins urbains. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que en gros, aux États-Unis, la ville de Détroit s'est effondrée. Ils payent plus, y a plus de boulot. Et en fait, les gens ont une bouche et un anus, et ils sont tenaillés par la faim. Et le principe, c'est que, ben, en fait, ils sont obligés de jardiner pour manger. Et il y a un principe qui fait que quand tu repiques tes poireaux, t'as beaucoup de mal à suivre ton fil d'information. Beaucoup. Et puis d'une manière générale, en fait, l'idée, c'est que je sais pas en fait comment la machine tient, parce que t'as presque en fait un phénomène de bulle immobilière. C'est que la seule logique d'une bulle immobilière, c'est que les prix progressent. Et la seule logique d'une bulle d'information et de bullshit complet d'internet et de pillage d'infos, ben c'est ça aussi, c'est la poursuite en avant. Et l'idée, si tu veux, c'est que ça consomme des milliards pour faire quoi, au final? Pour qu'ils s'entretuent entre eux aux États-Unis, pour qu'ils fassent envoyer l'armée dans tous les coins du monde parce que un tel a dit merde, ou il y en a un qui a pas pété correctement de travers, ou il y a une fille qui s'est mise à jouer trop fort. C'est faut faire quoi? Donc si tu veux, en fait, ils sont noyés dans une information, ok, très bien, mais we are running out of oil. Wait and see, hein, on verra bien. Parce que quand il faut se passer de pétrole d'un point de vue technico-technique, c'est très compliqué. Et ils y vont tout droit. Tout droit. Il n'y a pas d'économie d'énergie aux États-Unis. Hein. Ils vendent toujours d'aussi grosses voitures. Ils ont toujours pas de train. Ils ont toujours rien compris. Très bien. Tant pis pour eux. Ouais, mais je pense pas, je suis pas sûr que vraiment le problème de classe sociale et du système économique dans lequel ils vivent, je suis pas bien sûr que ça impactera réellement l'existence ou non de pratiques démesurées sur Internet. Malheureusement, enfin, je pense que même le jour où ça sera vraiment la merde et où tu auras une guerre civile comme tu penses que ça va paraître, je pense que même là, tu vois, ça continuera quand même. Et ça continuera après, si rien n'est fait véritablement, malheureusement. Bah, tu sais, honnêtement, moi, je vois pas des gens avoir faim rester sur Facebook pour savoir ce qui se passe pas dans leur pas de vie, quoi. Ouais, mais... J'ai du mal à conceptualiser, moi. J'y arrive pas. Du coup, NoScript, c'est donc une extension pour navigateur genre Firefox ou Chrome et qui bloque les scripts JavaScript pour éviter que des algorithmes non voulus s'exécutent chez vous, du style des mineurs de Bitcoin ou des trucs qui vont monitorer tous vos faits et gestes. Par exemple, Facebook est connu pour regarder où se pose le curseur de votre souris pour vérifier si vous étiez intéressé par une publicité. Ils sont à ce degré-là d'analyse de ce que vous faites sur votre PC, par exemple. Xtreme, Framatalk pour remplacer Discord. Ceux qui ne connaissent pas Framatalk, c'est une implémentation de... c'est un serveur, en fait, de Jitsi, qui est hébergé par Framasoft. Donc, c'est vraiment sympathique. C'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser librement sur un navigateur ou même sur une application mobile. Et ça marche très, très bien. Donc, je vous recommande de tester Framatalk pour faire de la visioconférence. C'est vraiment cool. Persona, Quant, on avait discuté déjà de Quant tout à l'heure. Et la conclusion, c'était un peu que... ils étaient pas très réglo, notamment vis-à-vis de derrière ils utilisaient le moteur de recherche de Microsoft, Bing, que derrière aujourd'hui c'est ça a été repris un peu par l'État français, la direction. Ils ont jamais été trop respectueux en fait. Enfin c'est des mecs assez particuliers. Personnellement j'arrive pas à leur faire confiance. Deux Soso étaient dans le même cas que moi, donc à se méfier comme de la peste, Pente. Malheureusement. C'est français, mais on doit s'en... Le fameux mythe du SE Linux. Est-ce que SE Linux avait été backdoré par la NSA? Bonne question. Est-ce que quelqu'un sait à quoi vont servir les milliers de trains satellites envoyés à basse orbite par Elon Musk? Quelqu'un pourrait répondre, à part niquer l'observation spatiale? C'est pas pour le Outernet? Bah, officiellement, c'est tout ça, c'est pour donner Internet un peu partout dans le monde, y compris dans des zones... difficile d'accès où on peut pas trop câbler.
officiellement, c'est ça le principe. Mais c'est pas aussi pour la future communication interplanétaire? Le Outernet? Alors ça, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il a un plus grand projet, mais officiellement, pour l'instant, c'est surtout pour ça, pour donner Internet à tout le monde, dans son grand altruisme. Bon, est-ce que des gens ont quelque chose à rajouter ou pas sur toutes ces questions-là? La fiabilité de Tor. Alors, Tor avait posé quelques problèmes, notamment à cause du fait que ça soit déjà développé par la NSA, bon, en tout cas en grande partie financé par la NSA, par le FBI, pardon. Je confonds. Tor, c'était financé par la FBI, et du coup, beaucoup de gens se demandaient si Tor était vraiment fiable ou pas. De la même façon, il y avait des campagnes du FBI qui essayaient de mettre en place des nœuds d'accès afin d'espionner qui essaye d'accéder à Tor. Bon, il y a eu pas mal de rumeurs sur la fiabilité de Tor. J'avais vu un Thinkerview il n'y a pas longtemps, mais c'était un Thinkerview assez ancien, de 2017 je crois, où c'était une hackeuse du coup qui discutait de tout ça et qui trouvait, enfin qui considérait que Tor était encore fiable malgré les quelques a priori que les gens pouvaient avoir dessus. Après, Tor est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que d'utiliser du Internet en clair. Ça dépend de l'usage. Parce que quand tu utilises Tor, tu peux te faire repérer très rapidement aussi. Ça. Après, de toute façon, c'est toute la problématique. C'est que quand on cherche à se protéger, c'est toujours une question de on cherche à se protéger de quoi? Et quelles mesures on doit mettre en place pour se protéger? Si votre but, c'est de se protéger des données personnelles qu'on vous pond pour vous revendre la publicité, bon, bah, vous pouvez utiliser des bloqueurs de publicité, du NoScript, et puis ça va. Si vous vous appelez Snowden et que vous essayez de vous protéger d'un gouvernement qui, vous savez, peut vous espionner à tout moment, vous prendrez des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus complexes. Donc, c'est toujours une question de juste mesure. Malheureusement, quand vous essayez de vous protéger complètement, faut un minimum de compétences techniques et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc là, il n'y a pas de bonne réponse sur comment bien se protéger, malheureusement. Est-ce qu'on peut y faire par rapport à ça, planter des patates? C'est ça. On se coupe d'Internet, on n'a plus de téléphone, on le met en mode avion tout le temps ou dans une boîte. Tu fais ton propre jardin. Et voilà, quoi. Et tu n'utilises plus Internet parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais ouais, non, qu'est-ce qu'on peut y faire par rapport à ça? Bah, à part militer pour plus de logiciels libres, des trucs décentralisés, pour plus de transparence de la part de nos gouvernements, moins de lois liberticides, franchement, on peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Moi, je pense que de toute façon, vous serez amené à connaître un pic, parce que c'est dans la nature des choses. Faut vous dire aussi un truc, c'est que, enfin, je vous en ai pas parlé non plus spécialement tout à l'heure, mais Samsung est en train de monter une jolie usine en Corée du Sud, très intéressante. C'est une usine d'un nouveau genre qui fait de la stéréolithographie en 5 nanomètres. Et en fait, ils préparent en fait nouvelle génération de modules mémoire en 5 nanomètres pour augmenter la densité de mémoire. Et donc, c'est de la mémoire flash. Elle conserve en fait des impulsions électroniques. Les électrons sont stockés dans des puits. Et se stocker de manière assez durable. Et donc ces usines-là sont en cours de fabrication. Ça va augmenter encore la densité de stockage en matière de mémoire flash réversible. Et l'idée, c'est que aujourd'hui se pose la question en fait de la pérennité de toute cette énorme masse de données que les gouvernements nous volent pour les stocker. Sous quelle forme? Je serais tenté de dire que, vu les volumes de données, à mon avis, c'est du piégeage magnétique. Je sais qu'il y a des recherches par skirmion et des fluctuations quantiques avec des mémoires, en trois dimensions à échelle nanométrique. IBM a développé ça, Race Track Memory. Voilà. Et donc, en fait, il y a des recherches extensives qui sont faites pour continuer à avoir de la mémoire la plus pérenne possible. Le souci, c'est toujours pareil, c'est que fait-on de toute cette masse de données? On a vraiment l'impression que c'est une tentative un peu vaine, un peu
un peu grandiloquente, un peu nulle et non avenue, sur lequel en fait les gouvernements crament des centaines de milliards de dollars pour rien, pour savoir si vous préférez les chips à la moutarde ou les chips nature. C'est une vraie, c'est un vrai enjeu. Je pense que tout ça va passer par un pic. La plupart des mémoires flash, en fait, aujourd'hui, elles sont basées sur le pentoxyde de ditantal, Ta2O5, et du tantal, en fait, sur Terre, on n'en a pas tant que ça. Et c'est non recyclable, puisque de toute façon, on n'a pas les usines qui permettent de récupérer le tantal à un haut degré de concentration. Donc, en fait, plus on crée des mémoires fines qui sont capables de stocker des infos, plus on bouffe des ressources minérales très rares, parce que le tantal, sur Terre, il n'y en a pas des masses. Et je pense qu'en fait, on va passer par des périodes de pic. Voilà. Je vois pas ce système perdurer comme ça pendant des centaines d'années. Je vois pas. Pour répondre à deux, trois questions, qu'est-ce qu'on peut y faire par rapport à ça? Et du coup, il y avait une Oxflam qui disait à part renverser les corrompus. Je pense qu'au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est l'éthique, la morale des développeurs. Pourquoi des développeurs font ça, en fait? Pourquoi ils acceptent de faire ça? Alors, des gens pourraient dire, ouais, mais faut bien vivre. D'accord, très bien, mais il y a des entreprises qui ne font pas tout ça et qui et ils pourraient travailler pour eux. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème d'éthique de la part des développeurs, déjà, à commencer par eux, en fait, et qui mettent en place toutes ces solutions. Alors, pour des projets de recherche, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de craquer des systèmes et de voir les limites du truc, et puis, voilà. Malheureusement, je pense que véritablement, après là, pour le coup, je parle d'entreprises privées contre le gouvernement. Malheureusement, des agences gouvernementales, on ne peut rien y faire, malheureusement. Mais déjà, rien que l'éthique et la morale de la part de développeurs qui travaillent pour des entreprises privées, là, déjà, il faudrait peut-être faire des cours de philosophie. Mais ils ne le savent peut-être pas. Si la structure qui développe le truc... Son développement. Comment? Moi, je parle des développeurs qui acceptent de développer, de participer activement à ça. Ouais, moi aussi, mais ils le savent peut-être pas, justement. Ils sont très bien au courant. Après, il y a ceux qui décident, eux, c'est à eux qu'il faut reprocher ça. Derrière, après, tu te retrouves avec des anciens de Google ou de Facebook qui vont te parler à quel point ce qu'ils ont créé est horrible et c'est une machine qu'il faut débrancher, tu vois. Donc, ces gens-là sont... En fait, ils finissent par en avoir conscience. Le problème, c'est qu'il fallait les éduquer avant qu'ils le fassent. Doit-on lutter contre la 5G? Alors, concernant la 5G, j'avais lu un très bon article du Parti Pirate qui avait fait un article élevant le débat. Donc, je voulais chercher ça, où justement, il posait les questions de la 5G. Pour eux, en fait, l'idée qu'ils disaient, c'est que la 5G, un jour ou l'autre, on va en avoir besoin. C'est une évolution logique de la 4G. Le réseau 4G va finir par être saturé, on en aura besoin de la 5G pour désaturer le réseau. Le souci, c'est qu'on n'a pas encore saturé le réseau 4G. On en est loin. Donc du coup, la 5G, actuellement, n'est pas forcément utile. Derrière ça, la 5G, elle n'est pas non plus à destination des particuliers comme nous, c'est surtout à destination des entreprises. Personnellement, s'il faut lutter contre la 5G, c'est que pour moi, la 5G va permettre... de développer une société de surveillance au travers des objets connectés. Et ça, par contre, on devrait lutter contre la 5G rien qu'à cause de ça, en fait. Maintenant, si quelqu'un a un point de vue à ajouter par rapport à ça, allez-y. Alors, Oxfam, ouais, effectivement, c'est un véritable problème. C'est beaucoup plus colossal que de renverser les corrompus. Mais je pense que éduquer déjà les développeurs et les éveiller un peu à ces problématiques-là, c'est déjà... un grand pas en avant. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Des développeurs qui n'ont pas idée de ce qu'est le logiciel libre, malheureusement, ça existe. Donc, et pourtant, c'est pour moi un truc fondamental qu'un développeur sache ce dont il s'agit. Et merci Serenity pour le post. T'es d'accord sur quoi, mais comment sur quoi t'es d'accord? Sur le fait qu'on devrait lutter contre la 5G, ne serait-ce que parce que ça constitue du vol de données, du pillage de données à grande échelle. Ouais, ça va permettre ça, mais ouais. Après, comment lutter contre ça? La Convention citoyenne pour le climat,
s'était rendu compte que justement la 5G, c'est le genre de technologie qui va consommer un maximum de données. Alors pas forcément directement. Alors, pour le coup, ça va consommer plus de données puisqu'on va multiplier les antennes. Donc même si la 5G consomme moins par antenne, au final, globalement, le coût énergétique sera supérieur. Mais surtout que derrière ça, le risque pour le climat, c'est la multiplication d'objets inutiles qui vont polluer en fait et qui vont eux aussi consommer de l'énergie. Donc eux avaient demandé un moratoire pour la 5G. Et comme on le voit, leur décision a été très respectée. Donc voilà. Voilà comment on lutte contre la 5G. On peut pas, tout simplement. Malheureusement. Et merci beaucoup Cyril d'avoir participé, c'était très intéressant. Je vais couper le bot d'enregistrement. Est-ce que Zilot, tu veux dire un petit quelque chose pour conclure ton livre blanc de ce soir, afin que les auditeurs qui réécoutent ce podcast terminent là-dessus? Si vous voulez. Alors moi, je vous invite tous du coup à vous renseigner sur le logiciel libre un peu plus, à regarder des projets libres. D'ailleurs, il y a Captain Fac qui a besoin d'aide apparemment pour les développeurs. Et surtout, n'hésitez pas à tester GNU Linux, à regarder les logiciels libres, les alternatives. Au lieu d'utiliser Chrome, utilisez Firefox, utilisez LibreOffice plutôt que la suite Office Microsoft. Donc, essayez un maximum de faire attention aux logiciels que vous utilisez et du coup aux modèles financiers des entreprises pour choisir au mieux les bons logiciels.